Qu'est-ce qu'il y a? Eh, hey, Anes, tu peux répéter ce que... Enfin... Tu nous avais dit, Anes. De quoi? Par rapport à quoi? Ce que tu viens de... Par rapport à ce territoire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, bâtard? T'as raconté quoi encore? En gros, il a Il vous a raconté que là-bas, on vendait de la weed sur votre territoire, je sais pas quoi. Non, il nous a dit, escucha chame pequeño, je sais pas. Tu veux qu'on lui baisse sa mère ou c'est comment? Oui, je veux bien. Oui, allez-y. Moi, non, franchement, j'ai rien à voir là-dedans. Ah non, personne le touche. Baisez-lui sa mère. Ok, les gars, vraiment, on n'est pas là pour la violence. Moi, je pense que NS, il a juste l'air de ses couilles. Les amis de mes amis ne sont pas tous de la famille. T'as fait un fanfri, le casse de ta vie, c'est bon. Ferme ta gueule, bah les coups de ta vie. Les frères, on la dame en Somalie. Trop occupé à faire chicha la nuit. Père des édicts, sacoche élevée. Fais pas la mala, on va te soulever. Peugeot 307 sur la N7. Mais les litres trop à l'arrêt de la banquette. Péter le pactole, c'est notre boulot. Baiser ta sœur, c'est le gros lot. Qui a dit que la hagra ça paye pas? Qui a dit que la hagra ça paye pas? On n'est pas comptable, mais on met des raspas. T'es pas mon ami, toi, me parle pas. On comprend de la pregunta. Elle veut la bague de cette grosse tasse. Mito Cogno, t'auras pas mon numéro. Tu veux la merco, t'as qu'à te lever tôt. Qu'est-ce, je veux une grosse caisse. Frotte, de bas de caisse. Frotte le bas de caisse. Hastes, abonnez Hastes. Salut, juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur, n'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à tout de suite. Ah oui, et au fait, vous pouvez me retrouver tous les soirs en direct sur ma chaîne Twitch à partir de 22h, 22h30, tu connais, je suis marocain. Le lien est en description. Salut. Ok. T'es mal comment je me suis mis. T'es mal la coiffure. Yeah. Hey yo man. Oh là là, ouais, j'ai oublié les bottes. Merde. On dirait gâteau. C'est vrai, on dirait gâteau. Voilà que c'est vrai. Bon là c'est un truc temporaire. Bon ça c'est là je suis en mode famille, tu vois. De base j'étais en mode comme ça. De base je suis comme ça les gars. En fait le but c'était d'avoir deux tenues. Tenue en mode comme ça, classique, ni vu ni connu. Les chaussures, on est d'accord, c'est de la merde, mais bon, c'est pour troller un peu. Allô? Salam, ça va ou quoi, Roya? Ouais, ça va et toi, mec? Ça fait quoi, Roya? Je suis avec les marabouts, on est pris en otage là. Si, hein? Vous l'avez pas pris. Ouais, mais t'inquiète, deux secondes. On est avec les marabouts, Anes. Pourquoi? On va pourquoi mourir. Avec ton blaze, je sais pas, on est sur prise d'otage. Au revoir. What? Qu'est-ce qu'il me raconte, les prises d'otage? Alvaro, ça va ou quoi? Pas trop, il demande pas. Qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'il y a des occupations et quelques soucis. Ouais, mais attends, j'ai pas compris là. J'ai appelé Prince, il m'a dit qu'il était en prise d'otage avec les maras. Ouais? Bah ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais s'il était en prise d'otage, comment il a fait pour répondre au téléphone? Bah apparemment, il lui aurait laissé le téléphone, je sais pas. Ok, bah il sait pas, non. Donc il n'y a pas de prise d'otage. Il te ment pas, il s'est pas informé parce qu'il sait pas avec Metal Man où ça se voit ici. Un peu de côté, tu vois. D'accord. Ok, ça marche. J'ai certaines affaires sur le côté. D'accord, mais tu peux appeler un de tes gars pour voir si c'est vrai cette histoire ou pas, s'il te plaît. Ok, d'accord. Vas-y, recontacte-moi. Vas-y. Attends, je vais me mettre en mode normal. Oh. Ça va ou quoi, Roya? Non, pas trop, Roya. Viens au QG, Devine quoi. Ah, quoi? Merde, tu peux pas venir. T'es où? Viens ce mando au PC. Hein? Viens en tranquillité au PC. Viens. je suis avec Hayat, vas-y. Rigole. Vas-y, j'arrive. Roya, je vais t'expliquer des trucs, tu vas péter un câble, vas-y, j'arrive. Roya, je suis avec Hayat, je te la montre, mon pote, une bombe là, Roya, t'es pas prêt. Vas-y, j'arrive. Il casse les couilles, lui. Parce que, les gars, Kefta, il est pas au courant. De ce qui se passe, hein. Il est là, il va me présenter Hayat alors que c'est la merde dans ma vie. Et tranquille, malish. Les gars, j'ai tout remis en noir. Ah, ouais, c'est mort. Ah, ouais, non, c'est mort. Non, le rose, ouais, c'est fini pour le moment. Le rose, c'est fini. Non, c'est mort. Ah, les gars, j'ai juste transféré mes véhicules. Ok. J'ai pas. Ah, si, j'ai racheté Kamatsu. Ah, si, j'ai. Ah, c'est eux qui l'ont sorti, je me disais bien, putain. Je vais chercher ça déjà. Ah, il va rien comprendre, frère. J'arrive, frère. Je suis là, dans 500 mètres. 500 mètres, vas-y, discret. Ouais, discret. Hayat, elle vient du bled, là, elle a du mal. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Prends un hélicoptère. Wesh. Ouais, Alvaro. Salut, Demi. Enfin, c'est plutôt à moi de te dire.
Écoute, j'ai parlé avec des hermanos, ils m'ont dit qu'ils connaissent pas trop les personnes qu'ils ont pris en otage, mais en tout cas les otages qu'ils avaient, et ils ont rien sur eux, aucun téléphone, rien du tout. D'accord, d'accord, ok. Mais donc, pourquoi ils ont pris des mecs en otage? Mais ça se trouve, il y a Prince et Tobias avec eux. Ouais, est-ce possible? Je sais pas, mais ils me disent parce qu'ils connaissent pas trop, c'est pour ça que... Mais pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Bah, si ils ont pris des otages, c'est qu'ils vont faire quelque chose, peut-être une filicable, une bijouterie ou quelque chose. Ok, ok, vas-y, ça marche. Donc, bah écoute, okay. Soit demande à tes d'autres personnes si tu les as vus. Mais non, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont, c'est mort. Et Prince Tobias ils répondent plus, donc à mon avis ils sont avec eux. D'accord, ok, et ok. Bah écoute, de toute façon, même s'ils prennent des otages, même s'ils sont avec eux, ils vont rien faire de bizarre, tu vois. Vas-y. Ils vont juste faire ça marche. Une opération et puis après ils leur arrachent, ok. Vas-y, ça marche. Vas-y, bonne noche et à demain. Salut. Bye. Salam! Rentre, c'est Hayat ça? Ma soeur, c'est Hayat. Salam, ça va? Ça va et toi? Dis Allah, c'est Hayat! Bah ouais, c'est Hayat, pourquoi? Mais elle est pas si grosse que ça en fait! Oh, elle est pas un mètre cube quand même! Ça va en vrai? Elle passe, ah, elle est rentrée dans la voiture déjà? Bah elle a fait un régime slim fat! Ah, Kefta? Ouais, Brian. Brian, how are you, Brian? C'est pas le Brian, non, c'est pas? Non, this is Brian Kefta. Yeah. Brian, il s'est passé des dingueries, Roya, hier. Ah bon? Il s'est passé quoi? Attends, Hayat, c'est une meuf de confiance ou pas? Est-ce que je peux dire des trucs? Non, je suis confiance, bien pas ça. Du tout, vraiment, pas attends, du tout. Attends, oui ou non? Brian, c'est sérieux? Non, mais c'est parce que c'était pas normal, quand même. Je sais pas. C'est pour ça qu'on est ensemble en plus. T'étais où Kefta d'ailleurs? Enfin Brian, t'étais où hier? Je regardais un reportage sur la Chine, c'est incroyable les trucs qu'ils font. Tu sais qu'il y a des filles, ouais. Elles divorcent pour trouver des millionnaires. Elles divorcent pour trouver des millionnaires? C'est ça. Lui il est pas assez riche, attends je vais divorcer, je vais trouver un millionnaire. Mais pourquoi elle se marie pas avec des milliardaires directement? Parce qu'elle a pas pré-shot. Ah ouais, elle est un peu bête hein. Bah ouais, elle est bête. C'est grave, croyable. Les gars, enfin Brian and Hayat, je vais vous montrer un indice et vous allez deviner ce qu'on a fait hier, d'accord? Vas-y. L'indice. Ah, fermez les yeux. Vas-y, okay. Fermez les yeux. Je vous dis quand vous pouvez ouvrir les yeux, d'accord? Vas-y, moi les yeux ils sont fermés de fou là. Là ils sont fermés de fou. Ouvrez les yeux! Oh, une route! Non! C'est le camion là en face? Ouais, c'est un camion. Le camion? Ouais, il a ça. Quoi, le camion? Bah regarde, c'est marqué quoi dessus? Bank of. Corporation Security Group 6. Non, en bas c'est marqué quoi? Bank of Liberty. Roya, on a tapé un fourgon blindé. Ouais, je dois vous faire un dessin ou quoi? T'es sérieux? Mais Roya, attends, mais t'as pas vu des gueules. Attends, c'est. T'inquiète, Roya, tout. Roya, t'es. Ah ouais? T'as fait d'illégal? T'as combien d'heures dans l'illégal? Non, je connais Brian, T'as combien d'heures dans l'illégal, Roya? Regarde ma dégaine, Roya! Tu offres la dégaine? Wouah! Mais oui! Regarde, attends, c'est pas fini, Roya. Alors, attends, une Heidechi, voilà, attends. Wouah! On dirait Pépita! Salam! On dirait Pépita! Ça va ou quoi? Brian? Ouais, dis-moi, Hayat. Tu peux te parler, mon Brian? Ouais, bien sûr, dis-moi. Yeah, faites comme chez vous, bien sûr. Que peut-être en peignoir, Roya. Il est en peignoir. Ah là là, je dois aller récupérer une arme vite fait là. Ah putain. Ouais. Putain, j'ai juste ça, j'entends pas. Non, je disais que je l'aimais, c'est pour ça, c'est Hayat quand ouais. Même. Ah oui, donc tout ça pour ça? Mais Hayat, c'est vraiment. Elle s'appelle vraiment Hayat? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y en a qui se foutent de ma gueule. Allez, bah, montre-moi ta carte d'identité, débuche-toi. Tu te fous de ma gueule. Hayat, elle fait 150 kilos, fais 1m20! Montre-moi ta carte d'identité! Dépêche-toi! Hayat, mon œil, ouais, vas-y, donne! Okay, attends, je t'explique! Montre-moi la carte! Bon, vas-y, braque-la, hein, c'est bon, et rends-moi mon argent, toi, hein, je te jure, c'est bon, au bout d'un moment. Ah, c'était donc ça! C'était un guet-apens! Non, c'était pas un guet-apens! Tu t'appelles comment? Non. Méga. Roya, mais je suis recherché, tu me ramènes des meufs, Roya! Y'a toute la police qui me recherche! Je vous ai pas vu! Non, bah, évidemment, tu m'as pas vu! Évidemment, t'as rien vu, tu sais pas où je me cache, t'as pas vu le fourgon, t'as rien vu du tout, évidemment. Non, du tout, je sais pas de quoi tu parles. Kefta, je t'avais dit ce que c'est une meuf de confiance, tu m'as dit oui. Non, parce qu'en fait, Hayat là en ce moment, elle est partie. Du coup, je voulais un peu me la jouer, je l'ai payé 500$, 30 minutes pour qu'elle reste avec moi. Et qu'elle s'appelle Hayat. Passe-moi ta carte d'identité. Je vais avoir. Je suis obligé de faire ça, je suis désolé. Ah, moi j'ai confiance en personne, surtout pas en meuf. Comment tu t'appelles? Paola Domingo Bolivar.
Elle a dit Megan. Oh, je t'ai tourné dans Narcos ou quoi, toi? Allez, oula, Domingo, ramène, on y va. Tu m'as menti, ramène l'argent. Tiens. Non, c'est bon, tranquille, c'est une femme, C'est bon. Attends, tu fais quoi ici en ville, là? T'as un électron libre? Non, j'allais vendre un petit peu, là, tu vois. Tu vas vendre quoi? Aller vendre quoi? Bah, des bijoux. Jure? Ouais, j'allais le vendre à une petite pote, là-bas. T'as un mec, t'as un contact? Non, moi, tu vois, c'est à l'œil. Je vois les petits gens qui ont besoin, et puis voilà, les petits bijoux. Leur vendre des bijoux. Tu vois, je suis... Ouais. Ah ouais, parce que moi, je connais un mec qui rachète des bijoux. Hein. Ah, donne-moi un nom, quelque chose. Bah, donne-moi de l'argent, donne-moi quelque chose. Je crois que c'est gratuit ou quoi? Ah, je croyais qu'on faisait un petit business, là, tu vois, c'était... Bah, c'est un business, bah, bien sûr. Ça s'appelle un business, bah... tu lui donnes les bijoux et te ramènes un pourcentage de l'argent. Ah bah oui. Je les vends d'avoir ce bijou, tu vois, je les vends. Non, mais le but, justement, c'est qu'au lieu de te prendre la tête à aller les vendre un peu partout en ville, nous, on a un refourqueur qui les prend en temps par les tailles. Un receleur, pardon, qui les prend en temps par les tailles, et après, tu prends un pourcentage, bah, dessus, bien c'est évidemment. C'est quoi, prends le numéro de Kufta. 599 603. 599 603. Je me disais bien que c'était pas Hayat, Roya, jogging fila, Roya et tout. Oh là là. Mais j'essaie de me la péter, mais vas-y. Tu veux pas qu'on aille la Roloco Mskina? Franchement. Je vais vous laisser là, je pense. J'ai pas mal de choses à faire. Attends, vendre des bijoux. Où tes bijoux, toi? C'est des bijoux de famille, hein, tu sais. On escroque un peu la maman, le papa. Quoi? T'as entendu ce qu'elle a dit, Starfonda? Escroque ta maman. C'est un petit peu de la misère. Lève les bras. Comment ça t'escroque ta maman? Eh, dès qu'elle me srota, c'est grave. Comment ça t'escroque ta pauvre maman, chérie? En plus, t'as une arme à feu, psahda. J'ai pas été menaçante, on est d'accord pour ça. En plus, ça l'a de la oui. Elle a des céréales. Ah ouais, elle a du jus d'orange. Elle a des tortillas salsa. Ça va les gars, j'aurais pu te braquer, tu vois, je suis pas méchante au fond. J'avoue. T'es un petit milliardaire, j'aurais pu... Comment? Comme pourquoi milliardaire? D'où on est milliardaire nous? Ah bah il a menti aussi Brian là-dessus. Eh bien évidemment. Ah ouais, mais là Roya c'est fini, on est plus dans le théâtre, et là on est dans la vraie vie Roya. Ah écoute, je suis ni milliardaire ni wallo, je suis dans la merde. Voilà ce que je suis. Bah vas-y, go vendre tes bijoux, tout ça là. Vas-y. Merci les gars. Ouais, tu vas trouver personne, c'est sûr et certain. Ah bon? Avec ta je vous rappellerai si je trouve personne. Non mais elle a pas de bijoux, elle a de la weed, elle a pas de bijoux, c'est de la weed. Oh, t'es une mytho en plus. Escroquerie, mytho. J'allais pas vous dire mon business, c'est normal les gars. Bah vas-y, dis ton business, allez, vas-y. Allez, va vendre ta weed là, va vendre la $50. Ah ouais, attends. Attendez, vous jouez dans quelle cour? Vous avez... Troya, nous on est pas dans la cour, on est directement dans la vie scolaire, nous. C'est nous les maîtresses, c'est nous la CPE, Roya de l'illégal. Tu crois on a le temps de faire les cours? Écoute. Tu vois la robe que j'ai, c'est un camouflage optique, Roya. Paola, assieds-toi, tu veux discuter business? Assieds-toi, on va discuter business, vas-y. Assieds-toi, t'inquiète. Kefta, assieds-toi, je vais faire un petit défilé, elle va vite comprendre dans quel cours on joue, d'accord? Vas-y, bouge pas. Je crois qu'elle a pas compris, Roya, c'est pour ça en fait. Tu vois, c'est ça vos problèmes, les petits là, les petits qui jouent dans la basse-cour avec les coqs et tout. C'est ça votre problème? C'est ça. Regarde dans quel cours on joue. Ça, c'est rien ça? Ok, attends 2 minutes. Oh là, on joue dans cette putain de cour. Attends, y'a une balle. Regarde, je suis marocain, c'est pas pour rien. Voilà, tu veux vraiment que je lâche? Je crois pas que c'est une bonne idée. Voilà. Et toi, tu joues dans quel cours? Vas-y, je m'assois. Non, vas-y. Je suis une petite racaille de merde à côté de ça. Ah non, mais dis-le. Oh non, j'ai pas dit ça. Vas-y, fais un petit défilé. Montre tout ce que t'as. Vas-y, montre. Allez, Paola, je t'en prie. Vas-y. Montrer, hein. Regardez, je me balade avec un petit truc de merde. Vas-y. Petit joujou. Ok, c'est un Beretta. Beretta. C'est ça. Sartek, t'as des balles? Bah, quand même. Vas-y. Sartek, ok, la base. Et après, je vends ma petite weed. Je veux du mal à personne. Ok. Mais attends, tu travailles pour quelqu'un? Tu vends ça pour quelqu'un ou c'est pour toi? C'est pour moi. Dis la vérité. Je te conseille un truc. Là, t'as avec un vrai kefta. Là, j'ai mis le costard, ok? Ah, t'es dans la merde là. Donc, je vais m'en faire la maline. Donc, smagni, écoute-moi. Tu vois, dans la vie, il y a ceux qui ont le pistolet chargé et la crampe qui pisse, ok? Toi, tu fais partie de la crampe qui pisse. Nous, on est parti du fourgon blindé, tu vois ce que je veux dire? Donc, dis-moi pour qui tu travailles et je te dirai qui tu es. Ok, Et Marabunta? Jure! Ah, ok. Alvaro, tout ça? Ouais, si.
Ah, c'est un bon pote, Alvaro. Voilà, donc y a pas de soucis entre nous, je pense. T'étais là quand j'ai planté sa mère? J'étais pas là, j'étais pas là. Elle l'a planté comme une merde. Jure, t'étais pas là. Bon, après, c'est, maintenant, c'est assez, tu vois. Attends, mais t'étais là quand on a fait braquage flicca et tout dans les égouts? Si, j'étais là. Mmh. C'était toi, du coup, en rose. Ouais, t'as vu dans quel cours on joue, nous? Je vois. Tu vois, nous, c'est pas la rigolade, Bunty. Et qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'il y a tes Hermano, apparemment ils font une prise d'otage là. Comment ça se fait que t'es pas avec eux? Je pense du timing. Mais t'es pas dans le bon timing. Mais c'est pas grave. Ils vont y arriver. Ouais. Tu devrais plus être en électron libre comme nous que dans un groupe bizarre et tout. Parce que franchement, sans te manquer de respect, hein, les maras, franchement, c'est de la merde. Hein. Mais vraiment sans te manquer de respect. Je lui manquais de respect, je lui ai pas manqué de respect. On n'est pas là pour manquer de respect, mais à partir du moment où le réfé se fait soulever par un random, voilà quoi. Après sans te manquer de respect, ce que j'ai entendu. YouTuber random, aussi, pardon. Hein. Un YouTuber random. T'as dit quoi, Paula? Ce soir-là, t'avais pas pris cher aussi Bah j'avais pris cher par une meuf justement, parce qu'en fait elles ont plus de couilles que les gars dans votre gang. Et tu vois, ça, tu vois, je manque pas de respect, tu vois, je suis pas misogyne. Okay. Toi, t'as fait quoi, petite, dans ta vie? Vas-y, dis-moi, raconte-nous. Voler des voitures. Ouais. Cambrioler des maisons. Ouais. Vendu du shit. Ah ouais. Tout ce que j'ai fait, hein, pas grand-chose. Oh, putain, mais pas réellement, je pense que... T'es pas ambitieuse, hein? Je suis ambitieuse, mais chaque chose arrive à temps, je pense. Quand je grandirai, je serai un peu plus mieux placée. Ouais, t'as quel âge, là? 25 ans. Il n'y a pas d'âge pour faire ça. Quand tu grandiras, ouais, t'as déjà 25 ans, t'as des enfants ou pas? Bien sûr que non. Ah ouais, t'imagines que t'as rien? T'as 3 enfants, tu fais partie d'un gang et tout, calme, tu sais, le matin tu braques, le soir tu donnes le biberon et tout, c'est chaud quand même comme vie, hein. La vie d'un enfant. J'ai pas l'énergie pour ça. Et t'as jamais pensé à te poser? Non. Bah, par un mec qui a des cheveux en forme de buisson, avec un petit. Un milliardaire, qui sait. Un milliardaire en costard, avec un bonnet, avec des lunettes. Ah, par exemple. Non, franchement, hé, Paula, c'est quoi ton type de meuf? Parce que je sais très bien, les meufs dans les gangs, vous kiffez que les meufs. Non, je suis pas de ce bord-là. Ah ouais? T'es quel bord, toi? Tout pour la Mara, c'est ça, mon bord. Ouais, je mets tout pour la Mara, ils sont en train de se battre, t'as dit, ils vont se débrouiller, quand même. Mais parce qu'ils vont y arriver. Ouais, Tobias, viens QG, j'ai une meuf pour toi, Roya, viens. Attends, mec, oh là là, t'es pas prêt. T'as une galère? Ouais. C'est quoi ta galère? Excuse-moi, t'es dérasé. Encore une histoire à régler dans le grand monde. Attends, t'es prêt l'otage dans une flic? Et le truc, bah, que je suis un otage. Et la police, ils nous recherchent, NS. Oh non, Kefta! Tobias et moi, on est recherchés par tous les flics. Ouais. Il s'est pris en otage. Il s'est fait prendre en otage dans une flica. Sauf que les flics, après, ils viennent récupérer les otages, tu vois. Et du coup. Du coup, il faut l'arrêter. Ouais, vas-y, dis-moi. Du coup, les marins, ils m'ont laissé mon téléphone. Ils m'ont dit. Enfin, en gros, moi, je te demande si tu peux venir devant la flica. Tu m'attends, tu vois ou pas? En dessous de l'escalier à gauche, tu vois ou pas? Enfin, la flica, pardon, de Vinwood. Oui. Là, tu sautes, après, on t'attend en bas. Je saute l'escalier en bas, ouais, voilà. Vas-y, je serai avec Kefta et la femme de ta vie, c'est marche. Bon je dois raccrocher, vas-y. Attends, y'a que toi, y'a pas Prince? Prince, oui. Bah voilà, bah précise aussi, wesh. Je raccroche. Les gars, on est dans la merde. Écoute, je vois que vous avez des choses à faire. Ouais, écoute, Oh, vas-y, je t'en prie, ouais. Tu sais par où il faut sortir? Pas du tout. Vas-y, viens. Viens, Kefta, faut qu'on bouge, regarde. Ouais. C'est un truc de ouf. Encore des business à régler. Ouais, encore trop de business. Allez, t'as la sympa la voiture en tout cas. Ouais, t'inquiète. Regarde la Michelin, regarde. Ah, pas mal. Oh là là, j'aime trop la pédale de frein, oh là là. Tu vas à ce parking. Ouais, tu vas à ce parking là, je t'ai mis l'adresse, tu vas à ce parking là. Et Tobias, en fait, on va juste l'attendre, il va sauter avec Prince et ils vont monter dans le véhicule, faut qu'on les sorte. Ils vont les laisser partir. En fait, de toute façon, dès que les maras sortent, tu vois, les flics, normalement, ils interpellent les otages, tu sais, pour savoir qui ils sont et voilà. Ouais. Donc c'est là, à ce moment là, en fait, ils vont sortir, à mon avis. On va devant la banque? Non, le parking. C'est bon, j'ai compris le plan, je l'ai déjà fait, cela. Ouais, t'inquiète, je connais, tu sais. J'ai déjà fait un plan, c'était en 1912, je crois. Et c'est qu'ils sautent dans la voiture. Passe devant la flica pour voir si encore les flics regardent. J'ai l'impression que c'est très calme, hein. J'ai entendu grave des sirènes tout à l'heure. Ouais, de ouf. Moi aussi j'ai entendu des sirènes, c'est pour ça. Non, ils sont toujours là. Ok, c'est bon, mets-toi derrière. C'est bon, ils sortent. Fais demi-tour, va parking. Je pense qu'ils les ont pris dans la voiture. Appelle Tobias. Ils sont là. Ok, go. Monte. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam! Non, je vois pas. Ça va encore? C'est bon. Je vous aime! Voilà, il y avait le flic au cul, regarde!
Nique ma voiture. Non, nique ma voiture. Vas-y, nique ma voiture. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Alors ils ont... Attention, attention, monsieur. Faites rapidis. Ils ont réussi ou pas? Ils sont barrés? Ouais, ouais, ils ont réussi. Normalement. Ah ouais, quoi? Wesh. Calme-toi, wesh. Va au QG, on va débriefer. Ça va quoi les mecs, tranquillement? Bah, alhamdoulilah, donc en fait, toi t'arrives à te mettre dans des situations improbables. Voilà, comme on est en voiture, on s'est arrêté, on a fait un accident avec des marabountas, ils nous ont pris en tasse direct. Ah, bah ouais. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie de loca. Ça vous dit de faire une flica? C'est dangereux ça. Mais regarde, t'es recherché? Ouais, je sais, mais bon. Bah alors? Moi, je t'enlève un policier, tu lui fais passer un message. Écoutez-moi, si vous enlevez pas mon avis de recherche, je vais tous vous tuer. Bah, tu crois, Zama, ils vont enlever l'avis de recherche. Ok, pas de soucis, vas-y, on enlève. Tu prends le capitaine et il trouve un moyen X ou Y. Ah, ouais, bah évidemment, il va dire ah oui, j'avoue, il s'est bien arrangé. Alhamdoulilah, on va le supprimer direct son avis de recherche. Eh, il est encore là? Oui, il est encore là. Laisse-moi conduire, regarde, comme ça je rentre. Vas-y, attends. Ah, c'est pour le blanchiment, mais je suis pas dispo là, je suis recherché là. Ouais, le plus important, c'est de porter. T'as vu? Ah, ouais, des panépices, les Picky Pinks. Ouais, c'est trop bien ça, les Picky Pinks. T'as vu les Picky Pinks? Comme toi, Kefta, t'as changé? Il a rien changé. Attends, mais Kefta, oui, je t'ai dit. En gros, mais Kefta, en fait, t'as pas expliqué ce qu'on a fait hier. On a braqué un fourgon blindé, etc. Prise d'otage. J'ai voulu faire péter le comico pour m'évader avec Tobias. Ah bon, course. Ah ouais, tout ça à cause d'un plot, regarde. C'est retourné sur un plot. Ah ouais, chauffeur. Ouais, c'est Tobias qui conduisait, ouais. Comme d'hab. Ah bah oui, c'est le problème. Non, voilà, j'ai le conducteur. Ça vous dit de faire une flica ou pas? Les gars, j'ai une vraie question. Ouais. À votre avis, qui est le pire conducteur entre Prince et Tobias? Prince. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Faut qu'il s'entraîne, c'est rien, il a juste à s'entraîner. Hein. Mais franchement, Tobias, ça fait des années je crois, qu'il conduit, il est éclaté. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave, ça arrive. Non, mais, c'est pas mais j'aimerais bien que ça évite, que ça se reproduise en fait plusieurs fois dans des situations très très graves comme celle-ci. Mais Merlis, c'est pas grave. Vas-y, moi je suis chaud pour faire flicka. Comme ça, même si de toute façon, Tobias, on va se faire attraper. Mais au moins, si on se fait attraper, on se fait attraper avec les honneurs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les honneurs. Coup de calage contre les flics, ratatata, et puis on meurt, et puis voilà, c'est bien, au moins on est bien, tu vois. Après, ça se trouve que Kefta et Prince, ils viseront notre entraînement, ils vont dire, ah, franchement, c'était des bons gars. Ah ouais. Attends, les gars, vous avez digéré ou pas? Regarde, tu veux pas faire une banque? Si, je veux faire une banque. Non, mais une banque. Ouais, je fais. Une flic? Ah non, pas maintenant, Roya! T'as pas un calage, Roya! La Pacific Bank, j'ai vu comment on a attaqué le fourgon blindé, Roya, on n'est pas encore prêt pour la Pacific. T'es pas là, c'est pour ça? Bah ouais, mais Roya, mais maintenant, on peut pas faire la Pacific maintenant, tu vois? Là, on va commencer par une flic, on va reprendre les bases, et après, on fera une Pacific Bank, Inch'Allah. Bon, on va s'asseoir, on va discuter par rapport au plan, bismillah. Vas-y. Qui a un plan, Drari, pour la flic? Alors moi j'ai un plan, on prend les voitures, on les met en V, on part chacun de notre côté, on se rejoint à un point d'eau, on saute, et ça là. Un point d'eau? Comment ça, un point d'eau? T'as cru qu'on était des canards ou comment ça se passe? C'est le seul plan que j'ai réussi à faire. Là, t'es souhaité maintenant, c'est le seul plan que j'ai réussi à faire. Tobias? N? Non, il faut que chacun me ponde un plan, y'a pas de nom. Vas-y. Alors, parachute, hein? Parachute. Parachute, c'est trop facile, parachute, seulement. Hein. Y'a un mec qui m'a envoyé un message, il m'a dit wesh, tu veux qu'on se capte? Je sais même pas qui c'est en fait. Dis-le oui. Ah, Tobias, appelle-le. 509 790. Allo, t'es qui? Il a donné un nom. Dis les termes. T'es qui? Dis-moi, t'es qui? Pas Denis, un pote. Je vais te dire, mais qui est-il? Tu es un olive. Le temps coule, je répète, t'es qui? Comment vous avez le numéro de mon copain qui l'appelle? De Bobby. De Bobby. Bobby Ernesto Alvaro de Gaviria de Mohamedia de Kharebga. On est d'accord, tu viens d'envoyer un message à quelqu'un là, non? Ouais. Message? Oui. T'es trop lent. Mets-lui un coup de pression. Un coup de presse, fort. Bon, maintenant, tu fermes ta gueule, espèce d'inflire. Mais dis tout de suite qui est-il. Et on vient de chercher et on vient de soulever. Et c'était déglingue tout de suite. Tu vois comment il fait ça? Je me calme pas, je vais t'étier. Dis-moi. Bon, vas-y, raccroche, on s'en bat les couilles, au pire. Bah, dis-moi ton prénom avant que je raccroche. Ça marche. Il s'appelle Derek. De quoi? Derek. Mais je connais pas Derek, voilà, les gens ils ont mon numéro. Les gars, vous êtes bêtes, mais les gars, putain. Vous savez pas prendre les occasions quand il y a les occasions, regarde. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est quoi? C'est un mec qui doit avoir une info sur toi, sur je sais pas quoi. Ouais.
peut-être qu'il veut te choper, peut-être qu'il y a une prime sur toi, peut-être qu'il y a quelque chose. Oui, il m'a dit, wesh, tu veux qu'on se capte, Roya. Oui, mais mais c'est la première fois que ce numéro me contacte. Mais comment mais ça? Un mec que tu connais pas, tu dis, wesh, tu veux qu'on se capte? À quel moment tu vas dire, ah, j'avoue, ce serait pas mal. Écoute, moi, mon avis, c'est que c'est la police. Ok. La police, je suis désolé, je me suis trompé de contact, visiblement, encore désolé. C'est un mytho, c'est un mytho. Tu as insulté toutes ces familles. Voilà. Bon, Tobias, un plan. Je sais pas, on a tout Prince, t'as un plan? Non. Wesh, tout ce temps, Roya, t'as pas eu le temps de réfléchir. Bah, hélicoptère. Hein? Et là, on avance, on prend voiture. Ça vient de chasse. On avance en voiture. Attends, putain. On va en voiture, on prend deux otages. Après, on les met dans la flicka avec nous. Après, Kefta, il nous attend en hélicoptère à Vinhood. Et on va chercher jusqu'à Vinhood à l'hélicoptère en VTT. Après VTT, on descend le. Ouais, c'est une bonne idée, hein. Après l'hélicoptère, on part et t'inquiète. C'est une bonne idée, mais il nous manque juste un truc, un hélicoptère. Ah ouais, sinon, sinon, le plan, vraiment, il est bien huilé. Roya, il y a plus de moyens que ce que nous rapporte la FK. Incroyable. Kefta, proposition de plan? Vas-y, tu couvres ta grande gueule depuis tout à l'heure. Point d'eau. Moi, j'ai un plan. Vas-y. Allez. Écoutez-moi. Point d'eau. Vous avez tous des parachutes? Ouais. Ouais. Ok, parachute. On va au point A, ok? Une équipe qui va au point A, une équipe qui va au point B. Les mais deux c'est quoi les... tu m'as dit parachute? C'est quoi le point A et c'est quoi le point B? T'inquiète, ça va être mis dans le plan. Une équipe qui arrive par en haut, une équipe qui arrive par en bas. Les deux se rejoignent. Ah, genre c'est pour petit ça. Petit demi-tour. Voilà, on saute sur un pont, parachute, on prend des bateaux, bam, jet ski qui nous attend. Roya, hop, Roya, on va dans l'herbe. Dans les films, ça. Roya, t'as cru qu'on était un gang. Roya, t'as cru. Roya, il y a juste toi, moi, Prince Tobias. Roya, il y a que ça dans l'équipe. Ma taoul, elle est tawahad. Ne compte sur personne d'autre. Vas-y, bah, j'ai un plan. C'est pas vas-y, ça, les plans. Vas-y. Je peux faire des millions de plans. Nous, quand on est dans la banque, on va. Ok, nous, quand on est dans la banque, attends, j'échafaude un plan. Hop là, c'est bon, c'est fait. Vas-y. Alors, le plan est fait, mesdames et messieurs. Écoutez bien vos oreilles. On part avec 4 voitures. Les mêmes voitures, ok. Tous les mêmes voitures. Mais heureusement, il y aura qu'une personne qui aura l'argent. D'accord. Ok. Donc d'accord. On y va. Boum. On roule. Alors juste comme ça. Moi, ton plan, il m'a l'air bien, Roya. Mais en fait, faut pas oublier que genre moi et Tobias, on est rushés par tous les flics en fait. L'argent, on s'en bat les couilles en vrai, tu vois. Mais oui, mais non, mais. Voilà. Laisse-moi rire doucement, mon ami. Vas-y. Alors, les 4 voitures qui sont exactement un peu comme dans. Tu te rappelles Mafia Italia là, braquage à la marocaine. Voilà, braquage à la marocaine. C'est des mini. On vient tous avec la même les mini. Voilà, on prend des mini. Bonhomme, on prend des mini. Ouais. On roule. Après, on se disperse. Et après, Allah ya. Sinon, on fait un plan Casa de Papel. On s'habille comme les otages. Voilà. On s'habille comme les otages. Mais Roya, ils seront pas vu et revu. Mais Roya, attends, mais Roya, quand on va sortir, les otages ils vont sortir en même temps que nous. Et nous, on aura des masques. Donc ils vont savoir qui. Voilà, il est bête. Comment ils vont savoir, Roya, que les otages. Crachez-tu. Ouais, mais c'est bête, je pose des plans. Mais réfléchis un peu, Roya. On va être habillé comme les otages. Oui, mais on aura un masque et des armes, Roya. Tu veux leur manquer de respect? Vas-y. Tu veux leur manquer de respect ou pas? Ouais, j'y vais sans masque. Allez, non. J'y vais sans masque. Regarde, tenue Asmat. Écoute-moi bien, tenue Asmat. Ok, ouais. Tu me suis ouais. Là, ça va être un manque de respect plus, hein. Tenue Asmat, on dit aux otages de prendre les voitures, de se barrer. Nous, on reste dedans, finalement, on était les otages. Non, Roya. Incroyable. Roya, je veux leur tirer à la gueule et je veux leur pisser à la gueule. Je fais le braquage flica, un visage découvert. J'en ai rien à foutre. Et je le fais, je le fais en caleçon. Voilà, je le fais en caleçon, j'ai des pare-balles. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Quoi? Mais pourquoi avoir enlevé le rose et tout ça? Là, tu vas au suicide, là. Non, c'est bon. Là, les gars, c'est bon, j'ai décidé. Braquage de flica en caleçon, c'est un avis de recherche express, ça dure 2 heures, allez hop là. Ouais, voilà. Non, mais t'inquiète pas, mais de toute façon, regarde, si je m'en sors, ils vont pas me retrouver, de toute façon, dans tous les cas. Je m'en fous, je vais me raser, je vais juste mettre un petit bonnet, regarde, je mets un petit bonnet au calme. C'est vrai, dans tous les cas, on est recherché, oui. Donc... oui, c'est ça. Voilà, je fais juste ça, je leur dis, vous savez qui je suis? Je m'appelle Anas Lmardebe et je vous pisse à la gueule, tu vas faire quoi? Voilà. C'est bon, on a trouvé, Roya. Allez hop, les gilets, c'est parti. Qui veut un gilet? Moi j'en ai un. On a tout mis dans le coffre. Oui, moi j'en ai pas. Ah, arrête de me viser, t'en as pas? Okay. J'ai pas de munitions. Ouais, ça va et toi? Ok, on a un otage. On a un otage. Non, c'est bon, il est au téléphone, otage. T'es avec qui là? Oh, comment il parle? Ah! Comment il lui parle? Il fait le jaloux là! Non, il fait canard! Ouais, il fait canard! Il fait canard jaloux! Canard!
Donc tu me trompes. Oh, aucun respect. Super. Dis-lui, elle est où? On va la soulever en otage. Dis-lui où. T'es où? Allez, t'es où? Je viens te chercher. Bah j'arrive. Parking central, j'arrive te chercher. Parking. Allez, tout de suite. Eh bah parfait, voilà, parfait. Vas-y, go. Allez, go, on va la soulever. C'est qui? Rosa. C'est qui? C'est quoi, elle est amoureuse de moi. Elle était en otage là avec vous là? Ouais, on était ensemble. Oh non, parce que non, on va pas la prendre en otage quand même. C'est elle mérite, si. Allez, elle est gentille. Mais quoi, je suis? J'ai rien, les gars! C'est pas grave, regarde! Allez, au parking central, on met les masques ou... Bah vous, oui, mais moi je m'en bats les steaks. Hein. Ouais, moi je mets un masque. Hein. Moi, frère, j'ai plus rien à perdre, frère, je m'en bats les steaks. Frère, le bitcoin il a 50 000 $, j'en ai rien. Moi je mets un max, sinon on n'est pas recherché, regarde. Non, au pire, dis-lui de monter doucement, frère, dis-lui de monter dans le coffre, c'est tout. T'inquiète, regardez, hein, on descend même pas. C'est elle? Elle est où? Là, à droite, peut-être. C'est pas elle, la rouge? Je te jure. Elle est la rouge. C'est elle, la rouge. Là-bas, vas-y, attends. Salut, ta gueule, Rosa, ça va ou quoi? Rosa, ça va et toi? Oui. Allez, monte dans le coffre, on y va. Monte dans le coffre, on y va. Ouais, mais je le lâche pas. Hein. Monte le deux. Mais on peut pas monter à tout. Mais si, portez-le. Vas-y. Lève les bras, frère, comme ça, il te porte sous les aisselles. Il te prend sous les aisselles. Vas-y. Monte dans le coffre. Ah bah, soulève-la. Et soulève là. Voilà, parfait. C'est le truc le plus Ok, d'accord. Là, on va à l'appartement vite fait. On va récupérer juste une carte Sulika, une petite perceuse. Et puis, on va commencer à faire un petit braquage, hein, c'est tout. Voilà, c'est ça directement. Okay, voilà. Ça va, Rosa? Ça va et toi? Ah, c'est pas la meuf du 9-4? Non, c'est du 9-4? C'est pas Rosa. Non, c'est de Rosa de Nanterre, ça, non? Je me rappelle plus. Non. Ok, je pense que tu viens d'où? Mais c'était Chicago. Chicago! Zahma, c'est même pas le dire, elle vient de Chicago! Elle vient de Chicago! Regarde, je viens de Chicago à côté de McNess! Ouais, on les connaît! Côté de Khalibga! Ernesto Alvaro de Khalibga de Mohamedia! On les connaît, les Chicago du bled! Les Chicagoyennes! Et après, c'est. Mettez-vous sur la radio, 54! Tu viens d'où exactement de Chicago? Merde! De Chicago! Oh, à Chicago! Je vais pas tout Centre-ville! Voilà. Ah, t'es entre Linston Street et Rankin Street. Entre chez Baker Street et Ramadan Street. Chez Baker Street. Eh les gars, vous êtes tous sur la radio ou pas? Ouais, c'est bon. 54, vas-y. Ah, ils ont des fonds là-bas, Tobias? Où ça? C'est la Pacific Ocean Highway là. Ah, oui, je crois, oui. Ils ont des fonds? Sur l'autoroute, Oui, sur l'autoroute. J'ai pas de GPS, ok, ils sont des fonds. Ok. Ah, oh, tout fait. Normalement, ah, tu vois ça, j'aime pas. Enfin, non, parce que j'ai été pris en otage là-bas, je m'en souviens. Ah, bah c'est bon alors. Arrête de chialer, regarde. Je sais pas, moi. Il y a un cul qui dépasse là. Ouais, c'est moi. Ouais. Ça me frotte la vitre, ouais. Ah, bah putain. Tobias, tu penses que si les flics nous chopent, on prend combien? Oh, go fist that. Hein? Si les flics nous chopent, on prend combien? Déjà, on prend au moins 10 jours. Non, 10 jours, hein? Ouais, si, j'ai moyen. Ouais, je pense que c'est une petite vacance. Hein. C'est 4. Ah ouais, 589, 703. Ouais. Et les gars, vous savez qu'on a toujours pas de plan en vrai, hein? C'est ça qui fait plaisir avec vous. Ouais. Allez, tout le monde descend, Drali, c'est parti! Ouais, il a pris Naka. Allez, rentre dedans, Royal. Ah, mais t'as un couteau. Merci beaucoup. Allez, rentre dedans. Lève. On sait jamais. Allez, lève. C'est ton jamais. C'est un pétain de braquage, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Veuillez lever les mains, le braquage va bientôt commencer. Pas là, chaud la dégaine. C'est bon, ça commence. Tu parles à qui là? Pouah, commando. T'as vu, Roya? Commando. C'est la radio, frère. Oh, il a déjà ouvert. Commando. Rose, dis un chiffre entre 1 et 10. Mais il a déjà ouvert, Tobias. 5. Ok, toi, tu manges un chiffre entre 1 et 10. Franchement, bien fait de la coupe, hein. Là, Texas, t'as vu, c'est un délire. Et franchement, ils ont bien fait ça, hein. Il est au guichet. Mais non, vous inquiétez pas, vous risquez rien, c'est rien. On va mourir. Mais n'importe quoi, vous allez pas mourir, personne va mourir ici, les gars.
Ah bah c'est bon alors. Ça va pas. Vous faites quoi dans la vie? Chômeur. Ah. Chômeur. Ah. Ok, ok. Bah, c'est normal qu'on vous prenne un otage si vous faites rien, les gars. En même temps, c'est là que c'est vrai, c'est vrai. Donc toi, t'as quitté Chicago pour trouver un travail, sauf que t'es toujours au chômage. Ouais, non, mais j'ai postulé, j'ai attendu une réponse en fait. Ah, ok, ok. T'as postulé où? Pour agent immobilier. Ouais, ouais, ouais. Et toi, monsieur? Bah moi, j'ai pas postulé. Contrairement à elle. T'as pas encore postulé. T'es un menteur. mais si vous voulez, je peux déposer un CV chez vous. Ah, chez nous. Tu crois que j'ai une entreprise de braquage ou quoi? Vous êtes bien armé donc. Ah ouais, mais nous on recrute pas, Roya. Nous c'est la rue la vraie, Roya. Oh putain, on va. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ça va? Tout se passe bien? Ouais, ça va. Vas-y. Désolé. Non, tranquille, Roya. Je mets juste un bandana, Zama. T'as dit mes bandanas, mais. Je vais parler avec un accent Zama. Tu sais, je vais parler avec un accent espagnol. Vas-y, sur la. Vas-y, vas-y. Attends, je m'appelle Bobby Alvaro Ernesto de Kharabga de Mohamedia de Mekes. Ouais. Ça passe, non? Ouais, c'est bon. Ça va, hein. C'est crédible, frère. C'est crédible. T'as deux cartes d'identité, frère. Tellement le nom il est grand. Roya, t'as un de ces masques incroyable. Il est bien, il va bien, hein, t'as vu? Roya, on dirait Cyrano de Bergerac, oula, avec le nez. Ah! Tarfoula! J'ai recherché mon arme! Tarfoula! J'ai recherché mon arme! Tarfoula! Attends, je l'élève. Attends. Lève-le, c'est bon, j'ai chargé mon arme! Je vais le lever, frère. Hein. Oh là! Lève-toi! Mais c'est quoi? Lui mets des petites frappes. Je recharge mon arme, ça! C'est encore les coups de crosse! Attends. Appelez une ambulance. Oh, mais Skin, ça bouge! Appelle-lui. Attends, je vais appeler. Oh non, mais Skin. Mais attends, j'appelle vite. Appelle. J'appelle. Tiens le coup, Menev! Non, on nous lâche pas comme ça! Il arrive le mec, je vais lui dire d'attendre 2 minutes, il arrive, le keuf, ouais. Je vais lui parler. Bon, attends, je prends ton AK-47, alors bouge pas. Ouais, ma maman m'a toujours dit de bien regarder avant de traverser. Ok, ok, Mani. Bonsoir, comment t'es là-vous? Mais... Vous foutez de ma gueule. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas mourir, attention. Vous avez pas de masque? Monsieur. Hein? Vous avez pas de masque? Ah bon? Ouais. Après, est-ce que la vie est un masque? Non, parce que... Zink, ma... ouais. Vas-y, je vous laisse passer, je vais aller parler à mon collègue. Commando. Non, vas-y, y'a le téléphone. Ah bah vas-y, c'est parti. Bon, je vous explique. Roya ouais. Non mais là, c'est l'arrêt, hein. Allô. Bonjour, monsieur. Ouais, mais bonjour. Là, je te rappelle tout à l'heure, Roya. Comment t'allais, gros? Vas-y. Ça va, vous? D'accord, mais vas-y, voilà. C'est l'heure récupérer tout dans l'argent. Allez, tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait le coup de crosse en vérité, parce qu'on l'avait désactivé. Page, évidemment. Ce qu'on va demander pour commencer en adéquation, c'est un médecin. Est-ce qu'il y a un médecin qui arrive? Peut demander à un médecin. Ouais. S'il vous plaît. Il faut un médecin, s'il vous plaît, le plus rapidement possible. Yeah, yeah, you're crazy. Si vous n'êtes pas là avant 34 et demi, on abat un repas. I know if you are dead, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. It's just one hour, je veux qu'il pique. Équipe de merde, voilà, équipe de merde. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler les médecins. Because you have a cheveux qui pique, you know. On vous montrer les otages, mais on va pas donner un otage pour un ah oui. Pour le médecin. You know. Are bien entendu, tu as le masque, alors que tu dis que t'avais pas de masque. Y'a pas de saucé. Sommet. Est-ce que vous pouvez appeler des médecins, s'il vous plaît? Ah merde, donc moi je suis dans la merde là. 3h34, ils abattent mon hôtel. Ah, on est. Ah, sale bâtard. Non, les médecins, y'a plus besoin finalement, y'a plus besoin. Oh mon dieu. Go! Il est là! Il a été abattu, j'ai une balle dans la tête! J'ai reçu une balle dans la tête! J'ai pas mis une balle dans la tête! Regarde. Une balle dans la tête! Mais non, je rigole, oui. Poisson d'avril! Oui. Il est arrivé. Ah, il s'est pris un coup dans la nuque. Si, Stella. C'est qui? What? C'est Saucisse de Toulouse. Qui êtes-vous, monsieur? Chipolata? C'est Bobby Alvaro de Mohamedia de Kharabga de Meknes. Ah, je vous connais pas, monsieur, désolé. Hein. Monsieur. Ah, il te connaît très très bien. Écoute-moi bien, petit pélican. Tout va bien. Si tout se passe bien, personne ne sera. Vous avez fait un braquage, monsieur? Moi. Je suis en train de faire okay. Un braquage. Ok, d'accord. Ok, tu peux rater là. D'accord, ça maintenant, je vais voir les otages, s'il vous plaît. Les otages, tu vas les voir, ok? Hop là! Okay. Men, ramène les otages! D'accord, monsieur Tony. Voilà, le hamar! Tu mets pas de masque, est-ce que tu mets un masque. Est-ce que vous arrivez à bouger la tête? Il m'a dit quoi? Il m'a dit. Si, j'arrive. Ok, allez. Si jamais ça sent pire, vous venez. Bon. Oula, je m'en vais. Bon.
Bon, je vais vous les passer avec le chef. Le chef, il est là-bas. C'est lui. Bonjour. Salam, ça va ou quoi? Salam, salam. Alhamdoulilah. Ça va? Ouais, ça va bien. Quoi? Bon, écoutez, on est là. Pika comme d'hab. Du coup, ils ont dit quoi, mes comptes collègues là? Hop, baisse ton encore. Wow, calm down! Calm down, Bobby Fischer, calm down! Alors du coup, ouais, on a deux otages, 1000 dollars par otage. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Son action. Combien? Deux, on a deux otages, 1000 dollars par otage. Ah, 1000 dollars par otage. Ah oui, pas 10 000, ça va pas quoi. On a une meuf qui vient de Chicago. Et on a un mec chauveur. Ok, recule. Là, c'est le premier chauveur. Je vais simplement parler aux otages. Oui, allez-y. Allez-y. You can speak on to the. Yeah, you can go, yeah. You can go. Speak with you. Bonjour. Là, je t'ai dit bonjour. Bah, vous pouvez discuter avec les otages si vous voulez. Voilà. Bonjour, ouais. Oui, bonjour. Oui, vous allez bien? Là, tout se passe bien. Elle a mal. Va bien. Non. Au contraire, vous avez entendu? Vous avez en contraire, ils ont dit. Impeccable. Au contraire. Allez, hop, ça dégage. Du coup, allez. J'aimerais juste avoir mon prénom et je laisse sortir si vous voulez. Bah, dis, donne ton nom. Rosa. Allez-y. Rosa Flynn. Flynn. Rosa Flynn. Ah ouais, Flynn. Mm-hmm. Et vous, monsieur? And you, et moi, c'est Joseph. Joseph, comment? La glou. Très bien, merci. Lolo. Oh lolo. Allez, hop. Joseph, refaites tes otages à l'intérieur. Bon, je réunis la somme et Vas-y, ça marche. Merci, monsieur. Ok, tous de 28. J'ai perdu mon gilet. Ok, ça va bien se passer. Donc là, c'est du moins compris, on y va au talent. Je suis mort, j'ai perdu mon gilet. Ok. Surtout que tu m'as niqué mon gilet, Roya. Merci beaucoup. Ça jure, non. Tiens bien, Roya. Non, c'est bon. Ah, j'en ai un autre. Ah, bah vas-y, donne. Tiens. Dis-moi pas que c'est un gilet rose. Ne me dis pas que c'est un gilet rose, Roya. On va le mettre, je sais pas du tout. Ah non, c'est bon. Alors... Parfait, équipe des chocs. Équipe des chocs. Roya, c'est quoi le plan? Heureusement, je suis super intelligent et j'avais oublié que j'en avais déjà un. Du coup, je t'en ai demandé un autre. Bravo, et du coup, j'en avais un autre en stock. Bravo. C'est quoi le plan du coup? C'est possible. Le plan, c'est au niveau talent. j'aime pas du tout cette phrase. Hein. Bah, Roya, on a pas échauffé de choses de base. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien tirer. Je pense, voilà, tu veux tirer. J'ai entendu. Roya, pense à nous, on a 3 balles. Ah, non, vous avez 16 balles. Voilà, mais non, j'en ai niqué tout à l'heure avec mon téléphone. Ça fait. Et t'en as combien là? J'en ai 11. Bah, si tu veux, partage. Attends, j'en ai encore. Tiens. T'en as encore? C'est ma dernière. On a vraiment donné une. Et voilà, il me restait une balle. Il te restait un gilet, j'avais une balle. Je vais demander au mec s'il en a. Vas-y. Ok, c'est bon. Monsieur, ouais. Viens, va là-bas, il est là. Il a fait niquer. Bon. C'est sur le côté gauche, toi. J'ai la somme. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Bon, je vais diviser tout ça en plusieurs billets, d'accord? Ah, Roya, donne. Pourquoi tu poses par terre? Donne-les-moi direct. C'est quoi ça? Roya, autre qu'on joue à quoi là? C'est quoi ça? C'est un jeu de piste? Joue jeu de, je vous donne 1000$ et vous me donnez un otage et ensuite je vous redonne les autres 1000$. Non mais ça, wesh, mais Roya, tu me respectes pas, tu me déposes ça comme si j'étais un chien. Reprends les billets, donne-moi dans la main, wesh. C'est quoi ça? Écoutez, c'est de l'argent. Ouais, mais je te donne les otages en main propre, je te les jette pas à la gueule, non? Ouais, ouvre votre sac, je vais même vous les mettre dans votre sac. Ah, voilà. Ça fait grave plaisir là. Désolé, j'avais pas les liasses. J'avais pas mis une liasse de 1000$. Hein. Ouais, tranquille. Ouais, j'ai stylé ton gilet, toi, il est musclé. Donc là, tu m'as donné combien? 1000. Ok, tu voudrais un otage, c'est ça? Ouais. Vas-y, ça marche. Qui c'est qui veut sortir en premier? C'est la fille. Vas-y, Rosa, Chicago. Okay. Vas-y, prends soin de toi. Attends, pas de bisous avant de partir. Fais-lui un bisou, moi, M-Skin. Mais on va se retrouver. Dans une prochaine flica. Vas-y. J'avoue. Ah, c'est trop mignon. Vous êtes rencontrés combien? Dans une flica. Première fois, coup de foot dans une mais flica. Mais non. C'est grave plaisir. Voilà, y'a Flika, y'a Rosa. Bah tant pis, salut. Et bébé, on se voit plus tard. Allez vers les médecins. Bah j'espère, enfin on verra. Ah, carrément, ça lâche des bébés et tout. C'est pas un bébé. Tu tapes sur les fesses et tout, Zama. Ah ouais, frère. Bah mon vieux, t'as laissé des empreintes là. Les gars, est-ce qu'on fait une opération commando? Dis-nous. Vraiment, j'arrive, on va au port, demi-tour, on descend, bam, comme dans Haiti. Dans au port? Quel port? Le port, en bas là. Ouais. Bon. Oui. On va en discuter après. Je vous donne les 1000$, vous me ramenez l'otage dans la banque, vous montez et vous me laissez l'otage. Voilà, oui, voilà. On va juste discuter d'un plan avant et après on te lâchera l'otage.
Ça marche plus. On a vraiment pas de plan. C'est un truc. On a pas de plan là. Ok. D'accord. C'est la merde. Et tu crois vraiment que je suis en train de bluffer alors que c'est pas du bluff? Ouais, donne-moi l'argent. Voilà, ça technique. T'as abaisse, voilà. Ouais, ça marche. De toute façon, quand on sort, on te laissera l'otage pour la banque. Ça marche. Vas-y, merci, Mustapha. Voilà, on dirait. Bon, Drali, maintenant on va discuter là. On va discuter. Vas-y. Chuchoté. Tu devais pas montrer ta tête, toi? Alors, bah, regarde, on voit la moitié de ma tête là. Il sait pas que c'est toi? Ouais, je sais. Bah, toi aussi, j'ai bien c'est moi. Alors, Drali. Ah, bref. C'est quoi ton histoire de port, de je sais pas quoi, vas-y, dis. Moi, j'ai. Tu vois le port tout au sud? Ouais. On trouve un petit. Là où il y a ton garage, vers là-bas. Ouais, c'est assez ouvert, hein. Ouais, mais le but, c'est que on va à la limite de l'eau, en fait. D'accord. Tu vois, l'eau, elle est derrière nous. Mm-hmm. On y va, on descend, on les rafale. Mais on est acculé de ouf, là-bas. Ah, tu vas aller où? Mais regarde, moi, je vais me barrer, déjà, parce que là... Ah, le but, c'est qu'on sort, c'est pas une mission suicide. Non, mais prends, il faut prendre en considération... C'est pas une mission suicide, c'est une mission... Regarde, t'as combien de balles, s'il te plaît, 11 balles. Ok. Prince, t'as combien de balles? Attends, 16, je vais 16, hein, je vais passer un chargeur. Ouais, c'est... Ouais, 16, et toi, t'es genre là, t'as cru que c'était Bagdad, Beyrouth, Belgrade. Ouais, c'est quoi moi je dis. Si on est acculé, oui, tu vois. Mais on va pas aller dans une position et se faire acculer exprès et après dire ah putain, ils sont forts. Regarde, mais pas, il y aura sûrement un hélicoptère. Hein. Là, en gros, quand donc, on se pite au véhicule, là on peut tirer. C'est pite quoi? Non, en gros, si jamais. Là, on parle pas de tirer, là on parle pas de tirer, là on parle de s'enfuir. Là, en fait, on essaye. Il voulait dire Kefta. Donc, en gros, là, on essaie de s'enfuir en véhicule. Si jamais, au pire des cas, on fait un accident. La voiture, oui, voilà. Oui, si on fait un accident, on sort et on rafale. Oui, oui. Montagne, parachute. On a un parachute. Pourquoi? Montagne, parachute. La question, je vous pose une question, il y aura différentes réponses, vous allez me donner la bonne réponse. Ok. Lorsque nous effectuons une flika avec des bras cassés, qui doit conduire? Réponse A, Kefta. Réponse B, Tobias. Réponse C, Prince. Réponse D, Allah Alam. Bismillah, Allah Akbar. Allez, c'est belle. Allez, Bismillah, c'est bon. Allah Akbar. Allez. Réponse D. Moi, je pense Kefta, hein, clairement. Réponse A. C'est votre dernier mot? C'est Kefta, parce que je ne veux pas me manger un plot. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Et c'est la bonne réponse! GG! Bravo, monsieur. Ouais, ça fait plaisir. Merci, Jean-Pierre. Vas-y, Roya, viens. On va te rendre à la police. Du coup, on va côté sud. On va retourner vers. Oui. T'es prêt, l'otage? Vas-y. Oui, je suis prêt. Allez, vas-y. Vas-y, cours. Tape ton meilleur sprint. Oh, il a failli se faire percuter. Là. Mettez vos ceintures. Un, deux, trois... La voiture, elle est morte, là, en fait. Non. Trois voitures, franchement, ça va, hein. T'as un SUV et deux sur toi. Le réflexe défaire et tout, bien joué, j'ai vu. T'as vu, ta mère, regarde, elle a 3000 heures d'illégal, c'est normal. 3500 heures d'illégal, regarde. 3500, ouais. Tu devais pas faire une pause, d'ailleurs. De quoi? Ouais, je vais faire une pause, mais je rigole. C'est le principal, en fait. Chauffe, regarde, chauffe. Ce qui est bien, y'a pas d'hélico, hein. Ouais, y'a pas d'hélico, là. Ouais. C'est bizarre. En même temps, hier, on a tapé des fourgons et tout, je crois l'hélicoptère, parce qu'il n'y a rien, il est fatigué. Ouais, peut-être. Vous voulez pas seulement on tape des petites pauses? On sort, on rafale, on remonte. Ah, tu rafales deux seuls, on a 9 munitions. Ah, ouais. Vas-y. Moi, le jour où je tire, regarde, j'ai des munitions, je te le dis. Vas-y, bah attends, juste on fait un truc, ok? Tu t'arrêtes, ok? Pas maintenant, je descends tout seul, je rafale quelques balles au niveau des pneus et je remonte, ok? Vas-y. Au-dessus du pont, t'es prêt? Au-dessus du pont. Vas-y, attends, j'enlève ma ceinture. Mais freine, pour comme ça, il voit que tu freines. Attends. C'est bon, t'as touché deux. Ils ont tué. Oh, ils ont niqué les pneus aussi. Non, ils ont niqué les pneus. C'est pas grave. Voilà. Du coup, on trouve un pont ou on trouve des tiers? Là, le pont, attends, je réfléchis. Ah, y a une roue qui est morte. Les égouts. Non, mais c'est bon, ils sont loin, frère. Ouais, en fait, je leur ai niqué les pneus aussi. Doucement. Mets-toi là, en vrai. Chantier. À droite, vas-y. Parfait. Il bouge plus, mets-toi. Garde-toi, il bouge plus. Ouais, il bouge plus. Il y a un hélicoptère, ouais. Bouge pas. Il nous voit. Il bouge. Rentre au fond. Non, c'est bloqué là. Sinon, Marina. Go, Marina. Attendez. Non, l'hélicoptère, il nous a vu. Go, Marina. Mais là, c'est avec des ouf ici.
Go Marina, si tu peux. Ouais. Allez, capitaine, allez. Ou bien égout. Attends, s'ils sont derrière nous, tu vois. Tu sais quoi, go égout, go égout, go égout. Va dans les égouts. Ah, je te vois pas, l'hélico, hein. C'est. Merde. Ah ouais, je le vois. Attends, je te mets égout. Je te mets le. En vrai, on a qu'un peu crevé, ça va. On a qu'une voiture sur nous. Égout, on les prend, on met la voiture en. Ouais, à la verticale. On les rafale. Ouais, le truc, c'est incroyable. On prend la voiture, on prend la voiture. Quand tu freines, dis-moi quand tu finis de freiner, parce que je suis sorti trop tôt tout à l'heure. Mais jamais de la vie, ça va pas. Mais les fous, je le tente ou pas, parce que le virage là-bas il est rare. Vas-y. On sort. Dis-nous juste quand tu vas. Je freine. Hop, je m'arrête. Tu veux qu'on sorte là? Ouais, vas-y, go. Allez, on remonte. Vas-y, remonte. C'est toi qui compte, yalla. Vas-y, go, je suis dans le coffre, vas-y, go. Ils vont nous attendre de l'autre côté, à mon avis. Ah, s'ils sont pas cons, on est dans la mer. Il y a 2-3 côtés en fait, ça qui est bien. Moi personnellement, je suis sorti du même côté. Pareil, j'en fais. Ils sont là. Ok. Je voulais juste savoir s'ils allaient nous suivre ou pas, tu vois. Ouais. Ils nous suivent de loin. Okay. Ils ont compris, ils prennent notre position pour la donner et que les autres nous prennent en entonnoir. Quand un entonnoir, c'est quand Zahima t'es pris des deux côtés et que t'es lente et que t'es noir. Bella, avec tes entonnoirs, je sais pas quoi. Voilà, réflexion avant agression. NS, t'aurais dû rester et faire demi-tour et sortir de l'autre côté. Ils auraient pas vu, ils auraient cru qu'on aurait continué. Mais non, il y a une voiture derrière nous, croyant. Deux tunnels. Il y a 2-3 sorties même, il y a plusieurs sorties. À droite, à gauche. Vas-y. Sortie à gauche, pardon. Voilà. Ils vont jamais nous trouver. S'ils nous ont pas en visu, ils nous trouvent jamais. C'est fini, c'est game. Ça vous dirait de remonter par une bouche de métro ou pas? Ouais. T'as raison, ouais. Game, là c'est game, c'est fini. C'est game. Normalement. Parce qu'ils savent pas qu'on a là à droite et il y a devant et à gauche. Du coup, ils ont une chance sur 3 de savoir pas. Mais ça se trouve, ils ont placé une unité sur chaque sortie. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Déjà, ils galéraient à nous suivre, croyant. C'est game, comme tu dis. C'est game. Les gars, avant de vendre la peau de mouton, il faut déjà l'égorger, croyant. Attends, vous voulez pas qu'on passe là? C'est quoi, il y a gauche là? Par là, c'est le truc de Los Angeles, là, Zahman. Tu vois, l'eau avec tous les trucs sur le côté et tout. Ok, faudra juste checker. Est-ce que quelqu'un peut descendre juste pour voir s'il y a une équipe? Vas-y, je check. Attends, je vais dans l'intérieur, enfin je vais devant, attends. Voilà. Oh merde. Écoute. C'est à droite. Ok. Radio, c'est bon, y'a rien. Attends. Là, ils sont pas loin, ils sont vraiment pas loin. Oui, là pour l'instant, je reste. Toi, tu tempo ici, en espérant qu'ils passent pas ici. Tu fais demi-tour et tu passes par le métro. Que là, ils sont vers là. Du coup, le métro, c'est à l'opposé de l'ICR. Je vais tout droit, non? Derrière, c'est mieux, je pense. Tu penses? Moi personnellement je pense que ici c'était bien. Attends. Ils sont de ce côté là, regarde. Tu vas derrière en métro, c'est moi. Ils sont tout droit, là dis-toi qu'ils sont tout droit. Et tout droit ça donne chez les wagons, c'est tout. Moi je pense qu'il y a personne tout droit en vrai. Vas-y go tenter. Vas-y go. Allez. Vous voulez pas qu'on appelle le Bénise? Non, vas-y. Si appelle le Bénise, vas-y. Appelle le Bénise. Vas-y. Mais attends, mais non, faut une autre pause, regarde. Ah, ok. Jamais nous trouver en dessous du pont ici. Là. Je vais sortir légèrement là-haut, tu vois. Hey, bonjour, monsieur Bénise. On aurait besoin d'une petite réparation, s'il vous plaît. À domicile. Dis-le au niveau du canal. Envoie-lui la pause. Nous sommes au niveau du canal. La pause. Comment ça, c'est urgent? Ouais, c'est urgent de fou. Ouais. Ah, il peut pas. Y'a pas une autre unité? Attends, je regarde en haut. Et il a dit, il a trop de monde à l'accueil. Vas-y, c'est bon, c'est là. Bah, c'est pas grave. Au revoir, monsieur. Eh, ils m'ont jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les prêts de bourse, non ou quoi? Vas-y, montez. On lâche ta voiture, on va directement vers le QG, non, en face? Venez. Non? Vas-y. T'es fou, moi j'abandonne. Là, on est freeze. C'est toi qui as dit j'abandonne pas la voiture. J'abandonne pas la voiture. Comment se fait qu'ils se sont arrêtés net après les tirs, ils ont pas osé te suivre? Les pneus. Ah, t'as visé les pneus direct? Ah bah oui, je pensais juste aller leur faire peur aux armes. Où ça? Non, il est loin, c'est bon. Ouais, il y a l'hélico au-dessus? Il va atterrir. Il va atterrir où? Et au poste de police. Ah, il est là-bas, je te l'avais l'hélico derrière? Non. Mais pourquoi il a tiré? Mais putain! Mais c'est toi qui as tiré, pourquoi tu parles de toi à la troisième personne? Bref, putain!
Va à gauche, tu pourras reprendre la route d'autre. Ouais, c'est ce que je fais. Pourquoi il a tiré? Il dit pourquoi il a tiré? Moi, ça m'a tué. Il est stressé. C'est un petit peu beaucoup trop calme. Alhamdoulilah. Ouais, oh, c'était facile là encore. Hein. On a fait une autre, on a fait une autre. Le problème, attends, attends, t'as pris combien d'ailleurs? Là, en j'ai fait, pris environ 30 000. Problème, si on en fait une autre, ils vont voir les trucs et ça va tirer un instant. Wow. T'as pris combien, t'as dit ton interview? Regarde, quand même, hein. En vérité, ouais, c'était facile, bah oui. Ah, oui, mais tu les as tous plombés ou quoi? Moi, je tirais sur personne. On avait plus personne derrière nous. Oh, regarde, tu vois un mec. Tu vois un mec qui descend avec une calache qui te rafale deux fois. Regarde, je sais pas si t'as envie de descendre et de continuer la course poursuite en vrai. Bah, regarde, pour 20$ de l'heure, ouais. Ouais, pour 20$ de l'heure. Ah, bah. Je vais déposer C4 quand même, non? C4? Ouais. Oui. C4 avec nous. Ah, ouais, d'accord, ok. Oh là là, chaud, la dégaine. Vas-y, ouais, vas-y, on bouge, les gars. Vas-y, gros. On va au Beniz. Viens, viens, Kifter, on va au Beniz. Yallah. Enlevez. Wesh, enlevez vos masques et tout. Enlevez vos masques. Moi, j'ai enlevé. Enlevez gilet, masque et compagnie. Et Tobias, t'as cru qu'on allait à Bagdad, croyez, ou comment ça se passe? Nous sommes en guerre. Ah, voilà, c'est plus la guerre, croyez. C'est les. Voilà. C'est quoi ce. Ah, ouais, mais. Hein? Ouais. Hein? Mais il est incroyable, celui-là. Celui-là il est bien, ouais, mais tu peux pas la conduire. Roya. Il va solo ou quoi? Venez, attends. Venez tous, je vous donne vos permissions là, venez. Ouais, t'es ouf. Ouais, pourquoi t'as en vert? Hier on a vendu de la weed. Ah oui, on est devenu familier. Attends, je vous donne les clés, les gars. Vas-y, vous voulez qu'on prenne lequel? La Buffalo? Gros spacieux. Ouais, Buffalo c'est bien. Vas-y, où? Ou Camacho ou Buffalo? Quel Camacho? Là, Camacho c'est le gros 4x4 là-bas. Ouais, Camacho, ça fait Camacho. Discrétion. Les gars, j'ai vraiment envie d'aller au commissariat, les gars, pour porter plainte. Ça? Ouais. Arrête tes trucs bizarres là, tu vas faire. Non, mais franchement, pour voir si mon accent en fait il passe, tu vois. Tu vas faire quoi comme accent? Bobby Alvaro. Bobby. Oh non. Y'a les maras. Oh, t'es mal les problèmes. MF, on a un problème, MF. Ouais, je suis en train de voir ça. Mais là, c'est mes frites. Voilà, comme ça, c'est mes frites. Ouais, c'est parfait là, c'est mes frites. Eh, on te reconnaît même pas. Là, c'est impossible. Vas-y, juste. Non, ça tue là. Non, tu rentres pas, t'as un pistolet. Vas-y, laisse la rentrer. Elle a un pistolet. C'est gentil, merci. Ça va ou quoi, Paola? Ça va, sympa la coupe. Qu'est-ce qui se passe là, devant là? Ah, je sais pas, apparemment ça s'échauffe un peu là. Tranquille. Ah, ouais, c'est le truc de. C'est les coques, de la basse-cour. T'as pas un peu mieux que cette coupe? Franchement, elle est bien cette coupe. Déranger, c'est qui le NS? C'est chaud, on dirait un petit paillasson là, un peu. Tobias, c'est moi, tu recules ou. Vas-y, attends, laisse-le rentrer. Et rentre. J'ai vu derrière. Ouais, dis-moi, c'est toi, NS? Ouais, c'est moi, pourquoi? Vas-y, arrête. Deux secondes. C'est lui. Ouais. Tu peux aller deux secondes, Demon. Je pense qu'elle raconte. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, NS, tu peux répéter ce que. Enfin. Tu nous avais dit, NS. De quoi? Par rapport à quoi? Ce que tu veux, par rapport à ce territoire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes, un bâtard? T'as raconté quoi encore? En gros, il a dit. Attends, il vous a raconté que là-bas on vendait de la weed sur votre territoire, je sais pas quoi? Non, il nous a dit, escoute jamais pequeño, je sais pas. Tu veux qu'on lui baisse sa mère ou c'est comme. Ah, donc oui, je veux bien. Oui, allez-y. Moi, non, franchement, j'ai rien à voir là-dedans. Ah non, personne le touche. Baisez-lui sa mère. Ok, les gars, vraiment, on n'est pas là pour de la violence. Moi, je pense que NS, il a juste perdu ses couilles. Et puis voilà. Voilà! Et dernière fois, tu parles à mon bras droit, plutôt. Voilà. Arrête de parler en mon nom quand je dis rien, pétasse! Mis le bras droit dans les arbres, moi je sais rien! Vas-y, vas-y, allez, on le laisse tranquille. Ah. Vas-y, les gars, bonne journée! Ouais, force! Allez, bonne force! Journée. Force et revenez plus dans notre territoire! Eh, mettez-le dans une buffalo! Mettez-le dans une buffalo! Il casse les couilles! Vas-y, Ness, on va juste lui passer un coup de savon, tu connais. Vas-y. On dirait c'est toi leur chef. Je te jure. T'inquiète, on va pas trop l'abîmer, t'inquiète. Attends, y'a Faudel qui court derrière. Deux secondes. Ouais, dis-moi. Mais vous pouvez juste vous dire à votre hermano qui est revenu, on a juste le lâché dans le nord, c'est tout. Il a pris ma coachée, j'ai pas compris. Avec qui? Mosquito, mais il est avec vous. Mais vous l'avez attrapé, non? Vous l'avez attrapé? Non, il a pris ma coachée, c'est cassé. Quoi? Ils sont jurés. Oh oui. Oh, mais frère, ramène leur voiture. Casse les couilles. Oh yeah, ils veulent me tuer. Mais non, ils voulaient juste faire un interrogatoire un peu poussé, mais t'inquiète. Mais non, il a dit. En plus, j'ai mis à l'avant d'une moto, ils sont trop nuls avec une voiture.
Non, Roya, écoute, les gars, ce sont mes dernières paroles, ok ouais. Sachez que je vous aime. Vas-y, allez, arrête. Vas-y, viens au niveau du coiffeur. Y'a ouais. Roya, ils sont partis, viens. Oh, t'as juré, oh. Mais Roya, ils sont pas là. Ils sont nuls, les marabouts. Eh, les gars, ça vous dit une flicka? Ouais, vas-y, on est toujours sûr. Vas-y. Attendez, les gars, non, franchement. Bijouterie ou bien flicka? Bijouterie ou bien fléca? Ah, bijouterie! En plus, j'ai le marteau en plus, carré! Voilà! Vas-y, attends, on va à l'hôpital d'abord! Vas-y, enfin, Inch'Allah, j'ai le marteau! Ça fait longtemps que je suis pas rigolé avec les EMS en vrai! Ah! Ça tombe bien, on a besoin de soins! Venez, tombez! Merde! Oh les comédiens, oh là, on dirait mon fils quand il tombe. Bobo, tombé. Ah putain, ah, je déplace juste la voiture. On va juste se mettre sur le trottoir, les gens sont dangereux ici. Allez, bougez pas monsieur, je mets un peu de pommade. Ah si si, claro. Allez, ça va. Mustafa, si. Mais y'a mon Bobby. Mon Bobby Ernesto de Gaviria de Meknes de Kharabga de Mohammedia. Soignez-moi un petit peu si vous voulez, madame. Venez, on s'écarte un petit peu. Bon, ça va, tout se passe bien. J'ai lancé un appel de tir, mais je pense que c'est les petits qui ont lancé des pétards, vous savez. C'est les pétards, les billes, les petites armas. Non, c'est toi, tout ça. Tout ça. Madame, j'essaie de gérer. Señorita. Comment, monsieur? Tengo mal à la cabeza. Ok, où ça exactement? La cabeça, la tête. J'aime pas trop la couleur de votre casque. Au niveau de votre tête, monsieur. Au niveau du front. Elle fronte, toi. Je vois ça, effectivement. Tobias qui me dit NS. Il est trop bête, cet enfant est trop bête. Vous avez déjà pris du paracétamol, monsieur? C'est pour nous. Non, paracétamol, non. Parbal, oui, paracétamol, non. Oui, mais par balle d'accord, mais est-ce que vous avez déjà pris un médicament style Doliprane? C'est Doliprane, Doliprane. Ouais, vous connaissez ça? Doliprane aussi. Doliprane, non problème. Prenez ça. Grâce à Seigneur. Du coup, c'est pour nous. Non, monsieur. Bobby Ernesto de Gaviria de Kharabga de Mohammedia. Je mets Bobby, hein. Si, Bobby. C'est parce que ça rentrera pas. Perfecto, Bobby, c'est perfecto. Une signature. Por favor, Meknes, dé. Mi amo Bobby. Voilà, monsieur. He want to retirer the mask because my tête est cramée. Je pense qu'il y a 50-50 pour l'assurance, hein. Ouais. Ramenez le pognon, les gars. Si, el puleto, cramé. Si. Le poulet cramé. Gracias, señoritas. Mais faites attention à vous, surtout, messieurs. Bon, vous prenez le poulet, d'accord. Buenos días. Si. À vous aussi. Bonne soirée, messieurs. Allez, bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Vous avez un beau tatouage de... Écoute, vous me rappelez quelqu'un? Si, c'est un tatouage de Mexico. De Mexico, du Mexique, du coup. Sabes, Mexico? Mexico. La capitale de Mexico est... Casablanca. Pas très loin. Mohammedia, ok, d'accord. Bon. Mes amigos, tenez un problème con mi amigo? No problemo, monsieur. Amigo con el bonetto en la cabeza. Che ftatito? Attends, Roya, elle m'a pris un dragué. Elle m'a dit que j'étais trop fort. Mi amo Bobby. Là, y a Prince. Bonjour Bobby, comment vous allez? Là, y a Poulet. Bien. Bobby Alvaro de la Kharabga de Mohammedia de Meknes. Enchanté, señorita. C'est un accent blédard espagnol? Non, espagnol, Mexico.
Berbero, Berbero. Et la berberito, tu connais. Chalhito. Oh, dis-moi, chica, ça te dirait de visiter le Monchiliade avec mes amigos. Caftatito, tenemos tu vamos. Because se no problemas. Sí, el masco. Sí, los problemas es una poca de gracia de poque. Señorita. Amigos, amigos, vamos, vamos, vamos a la playa, vamos. Vamos a la playa, playa, vamos a armar las leps. Bobby, te va lucho. Sí, sí, sí. Agatadas. Cállate tu boca, el puleto. Pardon. Si, 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 si. Non, non, je suis en train de parler à mon amigo avec la tête de Bobby poulet. Donc voilà. Il lui a dit ferme ta gueule le poulet. Voilà. Elle poulet, elle poulet. J'ai fait LV2. Keftatit. Keftatito. Keftatito. Si, grand pour la coche. Grand pour la coche. Mister Bebe. Au revoir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Inch'Allah. Hasta luego. Hasta luego. Prince, tu m'appelles Tobias. Et toi, Tobias, tu m'appelles Anas, espèce de con. Ah bon? Mais putain, le flic est à côté de moi, tu me dis Anas, ferme ta gueule, wesh. Mais j'ai pas vu les flics, wesh. Mais comment ça t'as pas... Attends, tu me dis Harbat, tu m'as pas vu les flics. Tobias, t'abuses, Roya. T'abuses. Mais Prince, il m'appelle Tobias, c'est toi, c'est de la merde. Mais ouais, mais m'appelle pas Anas, wesh. Eh les gars, heureusement que je suis un professionnel et que j'ai pris la plus intelligente dans un coin. Non, je pense que j'ai clairement fait la diff avec mon accent, les mecs. J'ai clairement fait la diff avec mon accent, les mecs. Ouais, bien sûr. Sartre qui dit. Wesh. Hey, buenos dias. Ah, Bobby. Ça va ou quoi, Bobby? Ou pénis. Non, pénis. Ah, pénis. Voudrais une petite réparation muy rapide, por favor, señor. Wesh, que tatito. Oh, il est bizarre. Mais c'est à moi. Trouver ton 4-4, Bobby. Hein? El puleto? El puleto? Wesh, Jibril! Ah, ça va, ça me occupe aussi. Poulet, ça me recule pas trop. T'es moi, t'as vu, j'achète des camachos, j'achète des camachos. Oui, Armano. Ouais. Il comprend pas qu'il faut mettre le masque ou un truc comme ça, tu vois. Skito, t'as besoin de réparation? Quand il faut pas mettre le masque, il le met, mais quand il faut le mettre, il le met pas. Caftatito? Caftatito? Sí, hermano, estoy en el garaje en Venice, on va dégoûter bientôt. Sí, la garaje está ahí poquito, gracias. On a el café y todo, estoy devant todo. Tenemos la policía, tenemos los marabuntas. Y todos están hijo de putas. Sí, hijo de putas. Tenemos tu frappar la bijutería. Después la bijoterie, tenemos collier de luxe. Sí, estoy collier de luxe, estoy en boca de gracia de la ciudad de refourgueur de diamanto. Ramène ta gueule, dépêche-toi, wesh. A tout de suite. Juste devant, Roya. Prensito. Vamos, vamos. Hop là. Bon, par contre, les gars, faut réfléchir à un plan. On va réfléchir à un plan. À chaque fois, on dit ça, Roya, il y a zéro plan. Qui veut fracasser les vitrines? Prince, tu veux faire? Bon, moi ou Minos, comme il veut. Vas-y. Minos, c'est qui? Merde, SB. Que t'as-tu, toi? Bon, Drali, on réfléchit à un plan. Qui a un plan? Putain, c'est toujours comme ça, hein, c'est grave. Hein. J'ai un plan. Vas-y. On a encore les parachutes. Ouais, on a le parachute, ok. Ouais. Bah, c'est bon. Non. Et alors? Et après? On demande à nos amis Marabunta qui nous attendent au Monchiliade. Mais nos amis Marabunta. Oh les gars, bécane, on dit ah là là, on va partir en bécane, bécane, Monchiliade. Tobias? Oui. Et après, on arrive avant eux au sol et on les rafale. Mais toi, t'es Roya, c'est une bijouterie, Roya. T'as cru on va faire quoi avec les Marabunta? Mais t'es malade ou quoi? Ils ont voulu te sauver il y a deux minutes, Roya. D'où on va les appeler, c'est nos amis? Non mais regarde, on saute d'un endroit. Et tous les policiers qui descendent, on les rafale. Oh, t'as cru que c'était Call of Duty Warzone hein, quand on arrive dans la zone en parachute ou quoi? Mais il est malade, t'es là ou les chenots? Tu crois que tu vas trouver quoi? Un colis stratégique? Waouh! Oh, réveille-toi, Zma, réveille-toi! Vous voulez qu'on fasse un truc freestyle? Attends, je demande au chat! Non, mais sur l'application, tranquille! Ah, y'a pas encore l'application Twitch. Attends, j'arrive. Demandez au chat! Tobias, par contre, si on commence à courir, faut que tu changes de chaussures, regarde, parce qu'on te voit dans le noir. Hein. Ah ouais? C'est quoi là? Roya, ils sont. Mais c'est les chaussures qui courent vite. Ça va vite, ça va. Ouais, mais Roya, dans le noir, ils vont te voir. Hein. Ouais, les pieds. Depuis quoi d'ailleurs, tu mets des chaussures, toi?
J'avoue, depuis quoi. C'est bizarre. Parce que un homme avec des chaussures n'est pas un homme. Exactement. Alors, attends, je mets une veste. Alors, allez, moi, je propose, on prend la Buffalo S. Elle est rapide, elle est maniable, elle bombarde sa mère. Ensuite, le plan. On part sur un plan freestyle. À l'intérieur de la bijouterie, on verra comment ça se passe, quoi. Ça vous va? Vas-y. Ah, vas-y. On y va au talent, hein. Ah oui, mais attends, il y a encore les otages, Bien sûr, c'est qui va faire le plat? C'est le Keftar. Vas-y, ouais, moi, je fais le plat. Vas-y. Je fais le plat. Ouais, ah, ouais. C'est le mec qui a le moins d'argent. Yallah, c'est dingue. T'inquiète, on va taper une bijouterie. Attends, c'est cogne. Roya. Eh, hey, comme quoi, je m'en bats les couilles, tu viens tout ce qu'on a fait depuis. Bah, moi non plus, j'ai rien touché, hein. Voilà, j'ai rien touché, voilà. Le fourgon que j'ai tapé hier, voilà, je sais même pas où ils sont les bijoux, regarde. Fils à Bilil. T'inquiète, je vais contacter Kax, il va me donner les bijoux. C'est un pote à moi. Oh, quel. Vas-y, c'est bon, je mets le plein, les gars. Y'a là, bismillah. C'est moi qui dois monter, peut-être, non, c'est bon. C'est bon, non, vas-y. Ah là là là, vas-y, go. Ah, go. Juste une petite question, les gars, est-ce que vous êtes disponible pour une petite bijouterie? Ben justement, je suis journaliste. Les ah ouais les bah vas-y, monte. Un dans le coffre, et un qu'on soulève, vas-y. Un dans le coffre, vas-y dans le coffre. Monte dans le coffre, Voilà. Non, non, sors-toi. Arrête de chialer, t'inquiète pas, c'est rien, ça va bien se passer. Les gars, enchanté, je m'appelle Bobby, c'est quoi votre nom? C'est Jason. Jason? Ouais. Ah ouais, Jason Mécano. Ouais, Jason Mécano. Ça va ou quoi, Jason? Je te vois, à chaque fois ça fait des kistoms avec des mecs en rose et tout, ça se met bien, on se rentre, hein. Ouais, putain. Ah ouais. Comment tu me vois? T'es qui? Bah, ouais, je suis un client aussi, je viens à chaque fois. Moi, je viens à chaque fois avec une voiture éclatée, tu me fais passer en dernier, à chaque fois en dernier, comme d'hab. C'est Bobby le Lost là, le. C'est la moto? Ouais. Ah. C'est ça. Bah, tu peux enlever ton masque, du coup, c'est bon, je suis attaqué. Tu veux pas la mettre, tu veux pas mettre la voiture dedans? Ouais, mais là-dedans! Je t'en ai appris, Roya! Eh, Bobby le biker, tu vas te taire, s'il te plaît? C'est bon. On est arrivé, je sors du coffre. Ouais, c'est bon, tu peux sortir. Ok. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est un nif de faire le taf là. Alors, tu vas devant la dame là-bas, la vitrine, et tu commences à faire gaffe. Bah, Bobby, on fait quoi nous? Vous pouvez choisir en vérité un petit bijou. Ah ouais. Oh. Attends, je regarde le plus cher. Vas-y. Voilà, Fais ton plaisir, c'est gratuit, Madame, c'est lequel le plus cher, s'il te plaît? Ah ouais, toi t'es menaçant de fou, hein. Toi t'es un mec bresson en vérité. Strasbourgeois. Hein? Strasbourgeois, que des bonhommes, Strasbourgeois. Bel air, qu'est-ce que tu racontes, toi? Enlève tes écouteurs, Ah, je t'envoie la musique, tu vas d'art. Je veux pas ta musique. Musique du monde. Le thé. Pieds nus, chouchou, voilà, on dirait Détective Colombo, c'est incroyable. Ah oui, j'ai oublié mon... Prenez votre gilet, les gars. Voilà. Et Nif, il est en train de faire garder toutes les vitrines. Hein. T'as comment j'ai gagné un street cred depuis que j'ai enlevé le haut, c'est incroyable. T'as vu? Il y a juste le sac qui casse les couilles un peu, mais sinon le reste ça passe. Ouais, c'est vrai, ça va. Là, ils vont devoir avec l'arme, mais ils vont pas blaguer avec toi, frère. Eh, tu sais quoi, on va laisser parler le thé. Vas-y. Vas-y, parle. On parle pas, on t'écoute. Eh, je m'appelle Bobby, hein. Salam alaikum. Allez-y. Ramassez-vous vers moi, venez. Je suis pas négociateur, négociateur. J'ai ma fouki qui négocie. C'est fini, les mecs. Qui négocie. Vas-y. Moi, c'est quelqu'un qui négocie. Ouais, bah, ça sera pas moi, allez, bonne soirée. Mais pourquoi il est venu alors? Mais t'es à quoi? Pourquoi il est venu jusque là pour dire que ce sera pas moi? Y'a le Wesel! Tape la danse! Voilà. Salam au Wesel News. Ouais, j'ai une flic avec des Jordan rouges, regarde. Ah, t'es fait. Ok, reste avec les autres. Écoute, quoi? Écoute, les serrés. Madame Jordan, viens. Oli de Skunako, je vais te siffler. Dis-leur, on veut deux motos. On veut deux motos. Attends, mais pas maintenant. 9 bagues, 7 colliers et une dizaine de montres. Oh, bien. Le bateau est en place à la marine, je répète. Bonjour. Bonjour. Mustapha, Léna, ça va, vous allez bien? Ça va, vous. Ça va. Si, allez. À vous. Bah, c'est Bobby. Oh, Bobby! Bobby, comment? C'est Bobby! Alvaro de Gaviria de Khrebga de Meknes! Oh non! Alors, je vous explique. On a deux otages. On veut deux motos. Et on ne tâche pas moto, d'accord? Sinon, on tâche pas moto. On est que la gosse! Comme ça, slats. D'accord?
On stat. Peut voir les otages, s'il vous plaît. Oui, ouais, bah, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. Approche, madame. On va pas vous manger, on va pas vous manger. Comme ça. Vous êtes sûr? Oula. Non, j'ai mangé. Voilà. Je ferme les yeux. Présentez les otages, s'il vous plaît, juste derrière la vitre. C'est quoi? Attends, c'est réglementaire ce genre de chaussures là? Parce que là, tu prends une balle perdue ou un clou. Ah, c'est un gage, c'est un gage. Non, c'est un gage. Un chien, il l'a pissé sur mes chaussures. Mais non. Et vous avez pas d'autres chaussures, les Speedy? Bah, en fait, on a pas le temps. Ah, c'est la race. Ah, c'est trop la race. Ah ok, donc vous allez bien monsieur? Ça va. Oh Léna, vous êtes ça va? Sûr ouais, ça va. Oh mais Jason, mais vous inquiétez pas, ça va aller monsieur, je d'accord? Ça va aller. Du moment qu'on est là, ça va aller. C'est vrai que je me sens bien en sécurité avec la chasseur. Ils m'ont dit que j'ai niqué moi tout ce qu'on a généalogique. Mais non. Ils sont méchants, vous inquiétez pas, ça va aller. On n'est pas jardinier, on va rien niquer du tout quand même. Moi je m'inquiète. Alors du coup, on voudrait du coup deux motos s'il vous plaît. Deux motos? Ouais, et 500 dollars par otage. Arrête de dire, ils sont méchants. 500 dollars par otage. C'est ça, ouais. Vous voulez pas juste les motos? Non, quand même, 500 dollars, ça va. Moi, j'aime pas trop quand ça négocie trop contre la police. Faut pas énerver mon pote, attention. C'est quoi ton nom de code d'ailleurs? Asfi, c'est bien. La vipère. Hein? Vipère. La vipère? Vipère de Asfi. Le cobra de Asfi. Le cobra, c'est mieux. Non, la vipère. Parce que la vipère, ça met un venin. Écoute, le cobra, il a pas de venin. Cobra, il est juste. Mais t'es fou ou quoi, wesh? Cobra, il te nique la main, wesh. La vipère est vip. Ok, vas-y, la vipère. Vipère. Ça me va. Ouais, ça fait pas badass comme ça, comment je suis posé? Ça fait vraiment badass. Ça fait badass, hein. You know? It's fucking badass, you know? On dirait pas Moha du 9-4, regarde, en train de bicrave en bas du tour. Moha 9-4, bicraveur, toi-même, tu sais. Appelle-moi Moha la menace. Moha la menace. Vous faites quoi là, monsieur? Bon, les motos arrivent. Oui, ouais, super. Ok, parfait, nickel. Et attends, c'est quel modèle? C'est des Sovereign. Oh non, c'est des voitures de merde, tu fous de ma gueule ou quoi? Moto. Ah non, ramène-moi des Sanchez, des Manchez, des BF400, sans revoir, il traque que j'étais un biker ou quoi? Mais nous on a. Je vais aller demander voir si on en a, d'accord? Vas-y, ça marche, tu gères. À mon avis, on a pas. Toi, là, pas la meuf. Je brûle de patience. Ah non, calme-toi la vipère. Eh, hey, normalement ça peut le faire, Royal, s'il y a que deux voitures de police en vrai. Deux voitures? Facile, même avec la Buffalo, hein. Eh, hey, depuis tout à l'heure, tu joues à quoi, toi? C'est à Mario Bros. J'ai fait les sauts avec les sapignons. Tu veux souhaiter? Tu casses les couilles. Regarde, kiffe ta derrière. Et voilà ma tonne de moto. Oh non, t'aimes les motos. C'est quoi ça comme moto? D'après quel mec, t'es pas. Tu crois vraiment qu'on va partir avec ça? On va jamais monter. En plus, c'est des. Prends ta place. Caméra. Les gars, y'a un mec qui veut faire une interview. Vas-y. Je voulais pas être en danger. Moi. Vas-y. T'es pas en danger, viens. Viens, mets-toi là, viens. Film. Viens. Oui. Mets-toi devant nous. Oui. Mais c'est une prise d'otage ou c'est. Non, t'inquiète, regarde. Vas-y. Du coup, With the News, bonjour, j'espère que vous allez bien. Reculez, vous êtes malade, vous. Mais c'est pas moi. C'est les risques du métier. C'est pas moi. Non, nif, arrête, nif. Nif. Pourquoi tu braques, rouillon? Ok, bah parce que viens, ouais. Nif, numéro 9, c'est numéro 9 en berbère. Ah, 9. Eh, oui. Attends, on est d'accord, c'est une c'est place ça. Moi, j'ai été braqué. Eh, je sais pas, mais c'est un bon modèle, hein. Ça, je sais qu'on utilise souvent ça. Vas-y, monte pour voir. Voilà, c'est une mais place. Y a... Oui, il y a place. Une place, mais on vous ramène. Bah, ouais, non, du coup, non. Quelle place? Bah, oui, non, vas-y, pour ça. Elles sont les BF400. Bah, oui, il faut une place. Les motos, il y en a que deux. Et enfin, il y a qu'une place, hein. Ça, par contre, c'est toujours comme ça. Ah, non, il y a BF400, c'est deux places. Sanchez, cette paire de chaussures là. Elle l'a gagné, Royal, la tombola. Il y avait un vide-grenier, je crois, à Los Santos, dimanche dernier. Remballe ta moto et donne-nous 1000 dollars par otage, et puis c'est bon. Range la moto là, du coup? Bah oui, une place, je vais faire quoi avec ça? Eh, attends, les otages, ils vont bien? Arrête. Non, vas-y, continue. Je connais toute la vie des otages. Ah oui, raconte quoi? Ah ouais, l'autre, il travaille mécano, il demande l'argent, l'autre, t'es ouais. On va vous ramener l'argent. Ça marche. Vous pouvez libérer un otage, s'il vous plaît? Oui, bah quand on aura l'argent déjà. Un seul otage et après on vous donne l'argent directement. Mais non, généralement on vous donne l'argent, la moitié, on vous donne un otage. Après vous donnez la deuxième partie de l'argent, ensuite on vous donne l'otage, après on part. Mais Léna, ça fait 10 ans que je fais des braquages, ça fait 10 ans que je négocie avec toi, chaque fois tu comprends pas, c'est grave. Non, comment... Mais on se connaît, toi et moi, on se connaît. On est sortis ensemble, tu te rappelles pas? Quoi? Léna? Oui! C'est le ha. Le ha? Ouais.
Réfléchis, réfléchis. On est sortis ensemble. Mhm. Et t'as bien kiffé, hein. Eh ouais. Ça m'étonnerait. Ah bah oui, ça t'a étonné justement. La seule personne qui m'étonne, c'est mon copain actuel, c'est Liam. Oh, ah bon? Oui. Mustapha, même pas coup... tu te... Ah ouais, ok, ok, je pensais. Vas-y. Mmh. C'est bon, il y a l'argent? Oui, je vous dépose sa part. Ou je vous le donne, retournez-vous, oui, je mets dans votre sac. Oui, allez-y, allez-y, vous inquiétez. Mais vous glissez juste votre main dans votre sac, c'est bon. Hein. Okay. Attention, on n'en profite pas pour toucher autre chose. Attention, attention, Léna, non, attention. Non, 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 il y a pas... Jetez à l'œil. C'est bon, hop, voilà. Vas-y. Donnez-moi un otage, s'il vous plaît. Ah ouais, mais on avait 10 000 par otage. Non, 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 non. Bah si. Ah quoi? Non, 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 non. Mais si, de base, j'avais dit 2 motos et 500 dollars par otage. Et du coup, après, j'ai dit, bah, au final, 1000 par otage, mais sans les mots. Ah, voilà. Non, du coup, 1500. Pour un otage. Parce qu'elle m'a donné que 500. Oui. Ah, ok. Ah, bah oui, tu as Léna, je suis content quand même. Quand même. Je suis congolais. Non, vraiment, je suis congolais. Bah non, merci. Non, c'est moi qui est congolaise. Qui c'est qui veut sortir? Non, je vais rien faire. Qui veut sortir? Qui veut sortir en premier? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Une bonne honneur, c'est toi que la vipère de SV va faire sortir. En beau 2, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Allez, sortir. Vas-y, allez, viens. Yes. C'est moi qui chante. C'est vraiment par pur hasard. Allez, viens. Ça se voit, c'est par hasard, ça se voit. Allez, salut. Vas-y. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Paracetamol. Paracetamol? Oui, effectivement. Ah ouais, c'est chaud. Vas-y, vas-y, bah je t'en prie, hein. Tu peux rejoindre la police. Bonne chance à toi et désolé pour le dérangement. Attends, viens, viens. Paracetamol, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi dans la vie, Paracetamol? Je suis chômeur à temps partiel. Ah ouais, le pauvre, c'est grave. Ah mais si, t'es gentil. Vas-y tranquille, vas-y. Je me fais pour courage. Je me fais pour tous les jours, c'est comme ça. Ouais, ouais. Allez, vas-y, bon courage. Vas-y, vas-y. Et voilà, c'est bon. Y'a pas de soucis. Allez, venez, Lars. C'est Milo ou Lars? C'est Paracetamol, il s'appelle. Ah, bah enfin du renfort. Enfin du renfort. T'es sûr? C'est une petite enveloppe parce que tu m'as donné, hein. Tu as donné combien? Tu m'as passé un billet, hein. Ah, pardon. Je fais tu as donné combien? Un dollar. T'as passé un dollar? Ça veut dire une skin Jason, il vaut rien, large, quoi, Jason. Large. Ah, voilà, Mustapha, voilà, là, on est d'accord. Bon, bah, comme prévu, on vous lâche le dernier otage, et puis, salam alaikum, quoi. Voilà, le dernier otage. Par contre, attends. Y aurait moins de bouger quelques voitures de police? Franchement, on a la flemme de vous rentrer dedans. 42 de 28, vous pouvez reculer la flemme, s'il vous plaît? Ils vont bientôt partir, ouais. Ils font des abdos incroyables, vos coéquipiers là derrière. Là, c'est des lombaires, c'est des abdos, c'est un peu de tout. Allez, Jason, tu t'amuses avec eux ou? Bah, en vrai, je me sens plus en sécurité qu'avec eux qu'avec voilà, vous. Voilà, merci bien. Vas-y, mais voilà, bah, n'importe quoi. Ils reculent la fenêtre ou ils prennent. Allez, viens. Bah, au revoir, les gars, j'espère que vous allez vous échapper. Ciao. Ils reculent la fenêtre ou quoi là? Oui, ils reculent. Je vais dire ça à Enrique, tu vas rien comprendre. Vas-y, les gars. Elle a Zentou là. Tu fais quoi? Mais c'est alcool, les mots. T'es sûr? Qu'est-ce que tu fais? Ils sont vraiment cons. Ça, c'est derrière. Fait. Non. Non. Ça, je me disais pourquoi il fait ça. Bien vu, bien vu. Oh là là. Là, j'applaudis. Là, franchement, Mbappé. Ouais, là, j'applaudis. Là, voilà, là, Bilal Mbappé. Mbappé. Il aurait mis une fuite miskine. Mais je trouvais bizarre, je dis attends, il est sûr qu'il va faire ça? Incroyable, je les ai tous vu aller derrière, j'ai dit attends, ils sont sérieux? Incroyable. Ouais, bah, c'était rapide comme. Tu leur as mis un passement de jambe, incroyable là quand même. Hein. C'est grave, Mbappé. Ah bah c'était rapide. Ils sont pas des amants, on va laisser une voiture devant ou quoi? Ils ont laissé personne devant, pas les couilles. Ouais. Mais il y en a aucun qui s'est dit attends. Il y a limite moyen de taper une flic encore. Allez, go. On a pas la perceuse, ça. Ah, on a pas la perceuse. Ah, j'ai la carte, pas la perceuse. Il faut quoi pour la perceuse? Ah, bah au pire, on fait juste la carte, on prend pas le coffre intérieur. On s'en fout. Tu penses? J'avoue, il a raison. Je peux faire juste le coffre. Attends, je prends pas. Ah oui, tu prends juste. Ok, j'ai compris. Tu prends pas les coffres. Bah, il faut les otages, voilà. Du coup. Oh, alors là, on leur fait un challenge, je crois, c'est grave. Ah, c'est. Il y avait quand même 5 voitures, il y en a aucun qui était lié. Ah, attends, regarde, on va quand même rester devant. Vas-y, go, il y a un otage là. C'est pas le mec de l'hôpital là? Croyant! Bonsoir! T'es sur un autre otage pour ce soir, donc on te prévient de vouloir rentrer à l'intérieur du véhicule? Monte dans le coffre s'il te plaît. Monte dans le coffre. Bonsoir! Bah voilà!
Bonsoir. C'est très bon. Un braquage du coup. C'est le journaliste. Voilà. Tiens, tu voulais un scoop, tu voulais un scoop, vas-y viens. Tiens, tu voulais un scoop. Nif, tu fais quoi? Nif, tu fais quoi? Allez, ça y est, moi j'ai chaud, j'ai envie de... C'est bon, ça y est. Ah, ok, ok, ah, donc tu pars comme ça, tu dis même pas bon nul. Vas-y, bah, je vous ai dit, les gars, personne me calcule. Ouais. Ah, désolé, bah, vas-y. Désolé, je te jure, j'ai pas entendu. Vas-y, bisous, à demain. Vas-y, bisous, mon pote. J'ai côtoyé ces individus un nombre de fois sur plusieurs reportages, ils sont vraiment super. Ah ouais? Ah bon? Hein? Tu parles à qui, là? Bah, vous êtes bien le gang d'Eddie Rose. Ah non, pas du tout. Non, bah on est dans la merde, on va mourir. Ah bah oui. C'est qui lui? La gang de Rose. C'est qui? C'est quoi le gang de Rose? Vas-y, parle-nous un peu. Alors, non, mais vaut mieux pas. Non, bah, vas-y. Je t'en prie. Bah, je peux pas, genre, je risque ma vie. Non, si mais là, parle, là, tu vois, je te mets un putain de flingue sous ta gorge, donc vas-y, parle. C'est un gang de fous, ils avaient un frigit et tout. Ils ont fait une flica. Un frigit, c'est un camion. Ils ont mis un frigit. Ils sont forts. Ouais, un frigit. Un frigidaire. Ah, bah les flics, ils sont là. Nickel. Attendez. Ah, bah, Rentrez. Allez, go. Oui, tout à fait, oui. On va les rendre fous, regarde. Là, il doit se dire, vas-y, casse les couilles. Ah, comment on se retrouve? T'es en train de faire le thé, là? Ouais. Mais oui, c'est bon, on va mourir. C'est pas... Mais c'est non, pas vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels, vous inquiétez pas. Monsieur, je peux me changer, s'il vous plaît. C'est-à-dire, pourquoi? Oui, allez-y. Mais attends, mais t'es le gars de Hida tout à l'heure, là? Bah oui. T'es le meilleur. Moi qui voulais te dire le meilleur journaliste de l'OSAT. C'est bon, tu t'es changé? Non mais baissez les bras les gars, tranquille hein, c'est pas grave. Vous êtes clairement pas une menace pour nous hein. Ah bon? Vous êtes comme nous, sauf que vous avez pas d'armes, mais en vérité, on est comme si... C'est comme si on était des amis mais on se connaît pas encore. C'est tout. C'est vrai. Ben moi c'est Emilio Costa. Je suis chômage depuis deux jours, je cherche un travail, y'a personne qui veut me prendre, ces fils de chien. Ah merde. Salut Emilio, et toi du coup? Moi c'est Byron, le futur meilleur journaliste de tout le Santos. Salut Byron. Ok, bah normalement c'est quoi comme on dit. Moi c'est Bobby. Bobby. Je peux prendre un canepin pour noter? Vas-y, note, prends des notes. Et la personne là-bas, c'est qui là? La personne là-bas? Ouais, pose pas trop de questions quand même, on est potes, mais quand même, il y a des limites. Pardon. Chronomique de 500$ par otage, comme la BD. Combien? Deux otages. On a combien d'otages? Deux otages. Voilà, okay. Maintenant, à partir de maintenant, il faut savoir que le professeur sera mis de rigueur dans notre équipe, et nous ne serons plus en mesure de rigoler. Pourquoi c'est lui? Pourquoi il a dit quoi, c'est quoi? Bah, il sait même pas combien d'otages on a, il m'a dit on a combien d'otages. Je crois qu'il est con. Je crois qu'il est mort. C'est mort. Attends, je t'appelle comment? Moi, comme tu veux. Non, c'est pas... Le tigre du Bengale. C'est long. Non, le cœur. Appelez-moi le cœur. Ah non, c'est trop. Et la gorge. Le cœur, c'est trop. Le cœur. Le coq. Le coq, c'est bien. Avec la gorge. Le coq. Alors je leur ai aidé 500$ par otage et ils ont. Ils ont demande-leur des motos, Regarde, non, mais ils en ont pas encore. Putain, ils ont toujours pas de moto. J'ai pas demandé. Ah ouais, ok. Vas-y, demande-leur. Mais je pense là, ils vont sortir l'hélicoptère, à mon avis. Là, il y a un hélicoptère, normalement, regarde, si tout se passe bien, il y a un hélicoptère qui va se poser, normalement, juste sur l'hôtel, là. C'est quoi le plan de fuite, là? C'est le gouverneur. Il y a le gouverneur, là-haut. Je sais pas, hein. Vas-y, attends, je vais voir. Ah oui, il y a Djibril, je crois. Ouais, c'est ça. Y'a Djibril et Sissoko. Monsieur. Oui. Déjà, 500$, vous allez me donner un otage. Et comment ils s'appellent ces otages? Vous savez ou pas? Y'a un mec qui s'appelle Emilio et l'autre qui s'appelle Byron. Ça va ou quoi, Octavia? Oui, ça va et vous, monsieur, vous êtes? Ça raconte quoi? Ça raconte rien à vous. Bah écoute, on est là, on est pas. Par contre, c'est pas bien ce que vous avez fait. Vous savez que si on vous attrape là, vous êtes. Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? De quoi tu parles? Le braquage de bijouterie. Arrête, ça va. Allez, venez, monsieur l'otage. Allez, Emilio. Par contre, je comprends pas le berbère, pardon. Je vous donne le reste, monsieur. Ok, ça marche. Comment vous appelez? Bobby. C'est pour ma comptable. Bobby, d'accord. Hop là, voilà Bobby. Moi, c'est 42. Mon comptable, il connaît pas ça. Vous avez un prénom? Monsieur Laroche, Maxime. Oh, monsieur Laroche, ça va ou quoi? Ça va et vous? Mais on a fait de licence ensemble, tu te rappelles pas? 6 fois 7, 42. À Saint-Etienne. Je m'en souviens plus. Mais si, avec Monsieur Legoq, on faisait les cons et tout, on l'a dicté. Wesh, Laroche, je te rappelle pas, je t'appelle Caillou. Mais si. Bah voilà. Wesh, t'es devenu maintenant flic. T'es passé du côté obscur. C'est vrai que bon, je me dois de protéger les citoyens. Bref. Bon, l'argent a été donné. Ouais. Bah c'est bon, on va vous donner l'otage, vous inquiétez pas. Ok, Bobby, je prends vous. Bah de toute façon, vous connaissez la suite de l'histoire. Je vais vous fumer comme des crêpes, ok? Ah, ça se fume des crêpes? Non.
Oh là là, c'est un langage de bénin quand même là. T'es breton, Maxime, t'es breton, tu me l'as pas dit. T'as un bonnet rouge, bonnet rouge. Ma mère était une chouin de Bretagne. Quoi? Lolo. Mais tu parles de ta mère qui est imprimée dans ton ventre. Écoute, vu que t'as mal parlé de ta mère, j'ai le bras long, Royal. Là, je veux contacter Dieu. Non. Là, c'est mort. On va gagner la course, on va gagner. Tu vas te prendre, un billet ou un poteau invisible, un truc comme ça. C'est grave, c'est grave. Moi? Le bébé qui est le plus fou, c'est vrai. Je suis le meilleur. Je crois qu'il y a une histoire d'amour là. Elle veut la race. Cochon de la boue. Enfant du bled. Je connais pas trop. Elle veut la race. Cochon de la boue. Cochon de la boue. Oui, mais c'est bizarre comme insulte. Oublions pas où on est là. Bon, bref. Mais quand tu dis allez, c'est bon, vous sortirez à l'hôtel, vous inquiétez pas. On va discuter du plan parce qu'il n'y a pas de plan. Allez, venez les gars. J'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, les gars, vous avez remarqué, ils ont tourné leur véhicule du côté gauche. Donc, moi, je propose d'aller à droite, tout simplement. De prendre la première, ensuite tout droit, direction Vinewood, et après prendre des gauches. Tu veux conduire? Putain, ils s'en battent les couilles, Roy, de l'otage. Ouais, mais après toi, en fait, si tu conduis, c'est un problème. Mais moi j'ai envie de tirer en tu fait. Tu pourras pas rafale, ouais, mais voilà. C'est ça en fait. Ouais, ça y est, ouais, smash. Ah, ouais, ils sont malins, ils anticipent les deux côtés. Et 5, et ensuite il y a 97, 98, 99, et 100. Mais Ron? À fond, con. C'est bon, tu peux sortir, c'est bon. Ouh. Mais j'ai pas mon scoop, moi, merde. Bah si, regarde, tu fais partie du prise d'otage, flic et tout, tu pourras tout raconter. Bobby Michel. Ah, tu sais quoi, tiens, ton téléphone, sors-le, prends une photo de nous, vas-y. Venez, les gars. Ouais, les gars. Lourd, à côté de flic à banque, vas-y. Vas-y. Et vous faites un. Non, t'inquiète, vas-y, prends en photo. C'est pour la photo, vas-y. Pour la photo. Alors, regarde. Et à 3, on dit. Cheese. Non, on dit flic à. Non, ouais, d'accord. Allez, à flic à, ouais. 1, 2, 3, Flicka! C'est bon? Par contre, vous m'avez fait faire un peu peur, je pars. Non, vas-y, tranquille. Vas-y, bon courage! Merci, va. Vous allez voir, je suis le meilleur journaliste! Bah, j'espère, vas-y, bon courage, hein! Vas-y, mon ref. C'est parti! Il a déjà tapé la bouche d'incendie. Il a racheté une skin. Regarde là, les gauches, les droites. Bismillah. Ah, t'as éteint les phares. Comment je fais ça? T'as fait une feinte? Ah non, t'as pas éteint le phare, ton friend. Elle bombarde la Buffalo quand même. Hein. Elle est incroyable. Ouais, c'est ce qu'il a dit le mec tout à l'heure. Il a dit à bombarde devant votre chat. Incroyable. Il a dit, ouais, regarde, de toute façon, on avait une longueur d'avance. Hein. Ouais, franchement, qu'elle bombarde au combat pas, en vrai, ça change rien. Bah après, aussi, ils ont la Felon, hein, Royal. Bombarde aussi, hein. C'est leur voiture la plus rapide. Ils l'ont là? Oui, ils l'ont, ils l'ont fait. Il a dit, ouais, déplace la Felon là du bon côté. Putain, ouais. Je pensais que t'allais faire l'erreur d'aller à gauche. Non, à gauche, non, pas. C'est mort, ouais. Le but en fait c'est d'éviter de rester dans la même zone parce qu'après ouais, ils appellent renfort. Parce que le deuxième est bien direct. Ouais. Le pick-up il est parti hein. Il y en a qu'une seule voiture hein. Mais vas-y flemme de descendre Rafale, mais ça comme ils sont qu'une voiture. Ouais il est un. Ouais il est un skin. Je crois que c'est la roche en plus. Mais pourquoi ils sortent leur pick-up claqué au sol là? Je pense que c'est pour bloquer ou peut-être pit au bout d'un moment, tu vois. Ouais, mais Roya il pite rien du tout, il arrive même pas à rattraper une trottinette. Mais parce qu'on est peut-être les meilleurs braqueurs, on sait pas Roya. C'est pour ça? Roya, évite de prendre les bouches d'incendie, s'il te plaît. J'ai un mauvais souvenir. Tout ce qui est plot, bouche d'incendie, barrière de sécurité. Non, merci. Ouais, même les cartons. Tu vois une fourmi, je la laisse passer maintenant. Eh ouais. Ah, fais le tour, donc tu peux aller à gauche. Ah, dommage. Ah, ils sont à gauche. Ah ouais. Elle devait être à droite là. Je pense même si je vais être au droit, il me voit plus, frère. Bah là, oui, vu qu'il y a camion, c'est bon. Normalement, là, c'est win. Là, tu vas tout droit, c'est bon. C'est game. C'est game. Pourquoi c'est game? C'est win, vraiment, c'est bon, c'est la fin du jeu. Pas de game. Encore un flic a réussi. Ah, les gars, après, ils ont une Felon aussi. Hein. La Felon, voilà qu'elle bombarde, hein, en vérité. Hein. Bon, c'était bien joué.
Bah franchement, encore une soirée vraiment super, on adore. Regarde, on a fait combien de flics? Deux flics et une bijouterie. Et ils savent même pas que c'est nous. Bah vas-y les gars, on... Vas-y les gars, bonne nuit. Ah, tu manges une banane? Et moi, t'es pas un gangs. Ah, c'est cohérent, hein. Ouais. Banane et Sprite. C'est quoi ce régime, Royan? Qu'est-ce que c'est que ce régime? C'est police. Ah ouais, c'est grave. Cohérent. C'est... Viens. Et quoi? Ah non, tu vas me siffler. Non. Ah, bisous. Ah, je te mange la bouche.